Welcome. J'espère vous avez là tous la forme. Eh ouais, 4 capas. Et de retour. Come on.
Ça, les bons sons. Ce soir au programme, je ne sais pas. Comme d'habitude, je ne sais pas. Ça va être du programme live impro. Je sais pas du tout ce qui se passe en jeu. Aucune idée. Oula oula oula, on me spam sur Facebook. Ça, les bons sons quand même. Bonheur. Et ouais, faire quoi? On va déjà lancer le jeu une fois. Hein. Dum-dum. Allez, on se fout de l'ambiance. Où est-ce que le jeu veut se lancer? C'est encore une autre question. Ah ben voilà. Oula 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 oula. Non pas ouvrir tellement et... Apparemment, il est à 8 ou à 9. Je sais pas ce que ça va donner ce soir, mais bon. Motivé, c'est un gros mot, hein, motivé. On joue tranquillement. Hein. Oh putain, mais c'est quoi ce truc avec Battle Eyes? Tout le temps avec ce Battle Eyes qui fait chier. Au moins qu'il y a la musique, hein. Redémarre.
Hop, ça va, la musique, elle bouge assez bien quand même ce soir. Je sais jouer au piano, hein. Ah ben voilà, est-ce que ça marche maintenant, ça marche. Mon petit. Et qui ok. Bon, alors on va aller sur la session de jeu. Eh oui, tu appelles la session de jeu. Allez. Alors on va se mettre en tant que Kevin Smith. Eh oui, Kevin Smith. Oula, allez, ouais, ça vient. Allez, on est prêt, on y va. Allez, let's go. Allez, go. On y va. Allez, on y va. Réception des fichiers de mission, ouais. Oui, yubi, yugo. Oui, on est motivé, on est calme, on est motivé, eh oui. Et d'ailleurs, il faut que je fasse le plein de la bouffe. On n'avait plus à bouffer, on n'avait plus à boire, eh oui. Ça, c'est quelque chose de notre cher compatriote qui est juste là, à l'autre côté, là-bas. Là, vous voyez, l'autre côté, là-bas. Là, le bonhomme, là. On va faire le plein de oui de celui-là, oui, là-bas. Eh oui. Eh oui. Allez, on va mettre ça aussi en route, parce que sinon... On va risquer de rien entendre, et après vous allez nous voir aller. Vous entendez pas ce que les gens y disent. Et surtout, foutez-vous pas de ma gueule, hein. Non, ça marche pas comme ça, hein. Oh là là, mais spam sur Facebook. Mais spam sur Facebook, c'est pas normal tout ça, hein. Ah non. Ouais, ça c'est mon spam pour me dire ouais, ça se soigne. C'est de l'animation, ça s'appelle ça comme ça. Oh là là. Ouais, je fais la voix de nouveau. Eh, bonjour! Ça va? Non, c'est pas ça. Ok. J'ai perdu la voix de Kevin, mais bon, c'est pas grave. Eh ben, bonjour! Eh ouais! Non, c'est pas ça non plus. Merde. J'espère que ce soir, on va pas courir après une BM de nouveau pas toute la soirée, parce que putain, hein. Pouh, c'était bien, mais ça devient tout le temps la même chose, hein. Courir après une BMW, hein. Oh, ça va commencer. Ça va commencer, on va arriver, eh oui. J'espère pas me faire engueuler partout par les chefs. Ça serait bien. On va voir ce qu'on va faire. Ça, c'est encore une autre chose. Il y a un qui part. Ok.
Ok. S'il vous plaît, mais j'ai un petit problème moi dans ma plantation. Allô? Allô? Je suis perdu au milieu de nulle part. Allô? Ah, mais pas de carte avec, c'est quoi ce délire? Ah si. Allô? On appelle les flics. Oh mais... Je suis vraiment perdu au milieu du bar. Mais c'est quoi ce délire là? Nous là. Putain, mais c'est quoi ce délire? Bon, il te dit. Le temps que ça se règle, j'ai juste allé là. Putain, mais c'est quoi ce merdier? Putain, mais... Je crois que on va bientôt pas aller sur le serveur aujourd'hui, hein. On va continuer comme ça, hein. Allez, oh. Oh, mais putain, ça me saoule. Ah, Manu, réponds pas, oui. Super. Super tout ça. Attends. Ah putain, mais non, c'est ça aussi qui a planté. Putain, mais ça m'énerve, tout qui plante là. Putain. Allez. Oh mais barre-toi. Oula. On m'attaque. Et merci Théo pour ton follow. Ça fait plaisir, merci, sois la bienvenue sur la 4K TV, pardon. Putain, c'est quand même tout qui bug. Même si on m'effraie, ça bug quand même. Allez, putain, mais c'est quoi ce délire? Putain, il faudrait que j'achète du nouveau matériel, hein, parce que là, c'est un peu de la merde. Hein. Ça bug, hein, de tous les côtés. Bon, allez, on va refaire. Alors, tac. Ah là. Ça se bugouille un peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tu devrais dire bonjour. Eh ben bonjour! Allô, ici la France, quelqu'un présent? Non, personne présent? Allô? Monsieur Francis, est-ce que vous êtes là? Oh, Francis! Allô? Bon, il a décidé de ne pas parler, lui, hein. Tant pis, hein. Bon, on va essayer deuxième tentative. Hein. Deuxième tentative pour essayer de se connecter à ce serveur. C'est la première fois que ça me fait des bugs comme ça. Putain. J'espère que je vais pas être coincé dans ce putain d'île là. Parce que putain, sinon ça va être marrant. Là, si on est déjà cache coincé au départ là-bas. Ça va être plus que marrant même. Hein. Alors. On va prendre la place ici. Tac. Une seconde, je vous lance le. Je vous mets l'image du jeu dès que possible, dès que tout est possible. Hein. J'espère que je suis pas bloqué là-bas. Ça serait cool. Sinon, c'est un peu de la merde.
Bonjour Mac Direct, ça va? J'espère que toi tu vas bien. N'hésitez pas à parler sur le chat, hein. C'est fait pour ça. Ça arrivera tout de suite. Hein. C'est le temps que ça arrête de bugger là, et que j'arrive une fois dans le jeu correctement et que je rame pas dans toutes les 30 secondes. Allez, allez, moi c'est dépêche. Ah. Oh oui, monsieur. Ça sonne déjà un peu mieux, je trouve. Ah bah voilà. Pourquoi pas tout de suite? Bon, je vous remets l'image du jeu. Si ça le veut bien. Ah oui, ça le veut bien. Oula, 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 j'aime pas trop comme ça. Attends, autour là, j'aime pas. J'aime pas trop, oui, j'aime pas trop. C'est où? Et comment c'est ça que j'ai ce vieux sac pourri là sur mon dos? J'en veux pas, tu sais. Pourriez-vous répéter, je vous prie? Mes respects, colonel. Mon colonel. Monsieur, vous apprendrez déjà que la fréquence du contrôle aérien, c'est le 30 et pas la 66. Deuxièmement, autorisation. Quel est votre objectif de vol, monsieur? Mes respects, mon général. Autorisation accordée. Rappelez-vous que c'est interdit de survoler les villes, donc la visite des différentes cités se fera au minimum 100 à 200 mètres d'écart. Colonel 207, terminé, bon vol. Il y a du monde dans les airs. Oula. Il semblerait. C'est quoi ce délire? Oui. Mais c'est quoi ce délire? Bon, je crois que on va bientôt de nouveau avoir des soucis. Bon, c'est nous fait jeter, hein. Oh, oh, on va se faire jeter. Oh putain, j'en ai marre, c'est quoi ce délire? Et vu comme je connais pas le mot de passe, on va faire ça comme ça, on va redémarrer tout simplement le jeu. Encore une fois. Excusez-moi des petits problèmes, mais bon, oui, j'y peux rien moi-même. Bon, alors, on redémarre. Et normalement, ça devrait être bon, hein. Troisième tentative d'habitude, c'est toujours bon. Sinon, Mac Direct, tout va bien, vous avez passé une bonne journée, Louis, toi pareil, passez une bonne journée. On va parler un peu comme ça, voilà. Vous avez passé tous une bonne journée, j'espère. Hello, welcome, Tunard, ça va, bienvenue à toi sur la 4K TV. Welcome, vers à l'écart, oui je stream, oui je stream. Eh ben merci à toi du follow, ouais. Sois la bienvenue à toi. Oui je stream sur Nolocha. Enfin j'essaye de stream. Si je me fais pas kick du serveur, ou que j'arrive, ou que mon jeu est plante. Alors, ouais, troisième tentative. En espérant que ça marche maintenant. Alors, tac. Et tac.
Ah, trop, il a déjà fini son live ou. Ah, Rallycars. Il a déjà fini son live à trop pour que tu sois là. Ah, ça, tu peux le dire, Louise. Oui, Louise, elle me spam sur Facebook et elle me dit ouais, ralala, ça veut pas ce soir. Ça veut vraiment pas, je crois. Hein putain. Non, mais c'est ce PC à la con, là. Il me fait chier, là. Bon, en espérant que j'arrive à cette fois-ci faire quelque chose, parce que ça serait bien, ça serait cool. Ça fait quand même maintenant, on rigole, mais ça fait quand même déjà bien 15 minutes. Hein. 15 minutes que squat, t'as pratiquement rien à foutre. Quoi. Ah là 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 là, c'est quoi ce délire? Bon. Oh, encore un? Putain, mais je vais arriver, il n'y a plus personne. Putain, c'est quoi ce délire? Le pseudo est déjà utilisé, mais je sais, c'est moi qui utilise. Oula. Ouais, ils sont dangereux là, hein. Oh, 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 ouais, du calme. Oh, hein, mal du crâne. Ah. Je vous disais, mes respects, mon général. Ouais, vous pouvez monter dans la voiture, on va bientôt partir. Laissez-moi juste vérifier que j'ai assez en ration. Je me cherche juste encore vite fait quelque chose à manger, à boire. Ouais, tu dis quelqu'un là. Je suis juste derrière vous, mon général. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Mais ça veut plus, hein, ce soir, ça veut vraiment pas. Hein. Bon. Putain, mais ça me fait chier. Attendez. Oh, j'ai au moins prévenu. Putain, ça me saoule. Il y a quelque chose là-dedans qui s'est enlevé ou non? Mais putain, mais. Ça se fout vraiment ma gueule, quoi. Putain, mais là, je commence vraiment à avoir à le cul. Hein. Allez, troisième, quatrième tentative, hein, quatrième. Hein. Salut Yoshi, sois la bienvenue à toi. Hein. Quatrième tentative, hein, parce que putain, sinon après j'arrête, hein, je joue un autre jeu. Parce que là, ça commence vraiment à me casser les burnes. Hein, ça fait 20 minutes, pratiquement 20-25 minutes que j'essaie de me connecter et que ça, chaque fois ça me kick quoi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça commence à devenir lourd. Hein. Ouais, très lourd même. Hein. Et comme ça, moi, je dois faire du contenu. Moi, je dois être rentable. Je dois faire du contenu. Ah ben, ça marche pas comme ça, putain. Putain, ce jeu, il a rien compris. Hein. Il a rien compris à la vie, ce jeu. Hein. Putain de merde. Hein. Mais je crois que je vais bientôt me mettre à streamer du solitaire. Hein. Ça ira beaucoup mieux, je crois. Et même là, je parie que le jeu va planter le solitaire. Ah, putain de merde.
Ah, cette fois-ci, je vais me choisir une autre place parce que là, je commence un peu à avoir ma claquille. Hein. Allez, voilà, on va aller là. Ici, peut-être que là, ça marchera. Mais enfin, il y a intérêt que ça marche. Alors. Ah bah oui, toi je sais que tu préfères les mix. Toi je sais que tu préfères les mix. Ah bah. Bon, je vais réessayer encore une fois. Si je plante encore une fois, j'arrête. Hein. Parce que là, c'est vraiment de la merde. Hein. Ça fait une demi-heure et ça fait de la merde. Hein. Putain de merde. Non mais t'es sérieux, maintenant je me tape de nouveau à squatter là, mais c'est quoi ce délire? Oh, allô? Non mais allô quoi? Ah, ouh, allez. Ouais bon, alors, fin de la configuration du client. Eh oui, mais c'est bon, on connaît ça, tout doucement, là. J'aimerais bien pas jouer, ce serait mieux. Mais c'est moi ou ça rame plus? Oh putain! Là, ça rame plus. Ah ben... Attendez... ça comme ça et voilà. Pour le moment vous n'avez pas d'emploi? Non, pas du tout, amigo. C'est le seigneur Sergei, il est en train de s'enflammer. Non, moi j'ai être en attente. Non, pas vraiment, avoir besoin. Bon, voilà. La question c'est pas pour aujourd'hui même, c'est bien pour la suite du dépôt de plainte, si jamais cela vient à 26. Prendre du lapin grillé. Je pars au présent tel jour, je vais jouer quelques connaissances au jour et des quais. Monsieur Bolivar est présent, vous pouvez aider. Non. Alors. Combien d'agresseurs y avait-il là? Ils étaient au 4 amis, ouais. D'accord. Quel pas vraiment mauvais coup. Costard. Je ne parle pas de rappeler. Costard, mauvais coup en plus. Mauvaise coupe, très bien. Type d'armement des agresseurs. Ça m'a l'air de fonctionner. On va tester. Après les cales, j'en sais rien, mais j'aurais des plus pour les. D'accord, donc c'est des armes de poing. Oui, des armes de la main, oui. D'accord, fort bien. Quel était le type de véhicule des agresseurs s'ils étaient véhiculés? Un chalbé noir. Ah, c'est un char. Qu'est-ce qu'un char? On va le laisser tranquille. On va le laisser travailler tranquille. Tac. Piki. On va se. Ah, voilà.
Voilà. Et voilà. Bon, 2 secondes, je vais juste devoir régler un truc. Voilà. Tac. En espérant que ça reste. Et voilà. Oui, ça vous les autres. 2 secondes, je regarde juste la carte. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être du marrant, ça. On va essayer de les appeler, hein, on va voir. Je sais pas s'il doit partir seul, je sais pas. Aucune idée. Je vais essayer d'écrire au général. S'il doit partir sur une patrouille. Tête. Dois-je, je sais pas comment on écrit, dois-je patrouiller à Georgetown? Voilà. Oh bah attends, tu nous réponds? Ouais, comment ça se passe? On n'entend personne à la radio, donc voilà. J'ai rien entendu. Je sais pas comment ça va se passer. Oula. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais bon. Ou s'ils viennent me récupérer, j'en sais rien. Il y a une patrouille autre part là. S'il vous plaît, je voudrais une patrouille qui va au traitement de charbon, s'il vous plaît. Il est où, traitement de charbon? Est-ce que ça a été bien reçu, mon message? C'est reçu. Nous, on est sur le hall en contrôle. Du coup, on pourra descendre peut-être un peu, mais ça fait loin. Donc, en ayant bien dans la tête que ça peut être dangereux. D'accord, ok, bon, on va descendre des comptes. À toutes les patrouilles, ici Kevin Schmidt, je suis au niveau du QG Georgetown. Je fais quoi? Je patrouille dans Georgetown ou j'attends que quelqu'un me récupère? Faut voir avec monsieur De Sensei qui devrait être dans le QG avec vous. Ok, bien reçu pour Kevin Schmidt. On va aller voir le colonel alors, hein? Il y en a quoi, le colonel? Mais il est en réunion là, ou je sais pas ce qu'il fait là. Tiens. Et moi, ils m'ont attaché, ils ont commencé à me battre en me disant maintenant que ton copain est tombé, tu vas nous donner 300 000 dollars.
J'étais un mec, moi, je travaille pas encore. Tiens, on va essayer de... Le colonel, vous me recevez ? Oui, agent. Le général m'a dit de voir avec vous, vu que je suis ici seul au QG, si je dois patrouiller ou... Approchez, donc vous allez insister au dépôt de plainte. Bien reçu. Si, seigneur. Et c'est là que la gendarmerie est arrivée. D'accord, je vois. Bon, bien. Alors, donc nous avons monsieur, vous êtes témoin ici. Bonjour, ah oui, je m'appelle Manuel Rodrigo. Hola, Manuel Rodrigo, bonjour. Fort bien. Donc vous êtes témoin de la scène, c'est bien ça? Oui. Alors, pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer les dires de monsieur Bolivar? Ah oui, tout pareil comme ce que je dis, oui. D'accord, fort bien. À quel montant estimeriez-vous à peu près le litige hein? Oh, j'en sais rien, moi, je suis pas spécialiste. Hein. Alors, je parlerai plutôt davantage à monsieur Peterenko et hein? Monsieur Bolivar qui sont victimes de cette outrage. Ouais, mais moi, j'ai écouté. Moi, pas vraiment savoir. Moi, pas vraiment être spécialiste. Pour cette requête, colonel, moi, j'aimerais m'entretenir avec mon camarade et compadre. On va en décider après pour. Pour le moment, je mets quelque chose dans le dépôt de plainte de très global. Hein. Je vais simplement. Donc, en termes de chef d'accusation, pour le moment, nous avons atteinte à l'honneur, agression physique, agression morale, puisqu'il y a eu menace. Oh, ainsi que tentative d'assassinat, parce que tout de même, il y a eu. J'arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'entends comme vous. Hein. Moi, d'ailleurs, avoir encore beaucoup de. Oui, si c'est Zico, équipe rouge, on va te dire oui, j'ai vais le charbon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut bien, tout à fait. Alors. On a tenté de mettre avec préméditation. Oui, tout à fait. Alors, dernière petite question globale hein, que je me dois de vous poser. Que pensez-vous du service de gendarmerie? Ah oui, c'est cool. Est-ce que quelqu'un me reçoit là sous la longue potée là? Ah, d'accord. Et... Bon, pour l'instant, à vrai dire, pas grand-chose. Je note être pour le moment. Être très bon service. Bah, ici. Le dépôt de plainte a été envoyé. Nous ferons le nécessaire pour donner suite et mettre la main sur le criminel, hein, messieurs. Sachez-le bien. Nous vous recontacterons plus rapidement pour vous tenir informé de l'avancée de cette enquête. Hein. Eh bien, amigo. Oui, bien. D'accord. Tac. Je vais vous raccompagner jusqu'à la sortie. Je vous en prie, messieurs. Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose? Que n'importe quoi. Il faut faire une petite. Vous méritez, mon colonel. Voilà. Ouais, mais j'en reste les repos, ça sort les couilles. Ouais. Avancez, ouvrez la porte à ces messieurs. Ouais. Merci. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Ouais, merci, capitaine. Ah, moi, vous remercier. Ah, si. Et voilà. C'est tout à fait normal, messieurs, mais vous me remercierez une fois que nous aurons attrapé ces individus et qu'on les aura déférés devant la justice. Ouais, mon avis, on va recommencer. Hein. Vous voulez que ça avait l'air d'être, hein. Justement, j'y compte bien. Être personne mauvaise, lui être. Merci. C'est pas de personnes qui méritent une chance de vivre sur une île merveilleuse comme celle-là. Hein? Colonel 207 pour la patrouille CCCCO, pourriez-vous me faire un point? Oui, tout à fait, là, vous m'avez sauvé, là. Affirmatif. D'accord, bah là, nous allons sur le charbon, là. On nous a dit que la zone était peut-être dangereuse, on voulait avoir quelques explications, là. De qui venait l'information? Du général, de mon général Maxwell. Hein. D'accord, tentez de le joindre sur la courte portée, il n'a pas de longue portée. Ah si, il a une longue portée, je crois. C'est lui-même qui m'a parlé, qui m'a dit comme quand je devais... Et la courte portée, elle va pas aussi loin. Après... Bon, nous allons faire une petite vérification à pied. Hein. On vous contacte s'il y a besoin. Ouais, mais je vais faire mon petit sport, hein. Attends. On va s'occuper comme ça. Hein.
mais à s'occuper, non. On va s'occuper un peu, what the fuck, mais bon, c'est pas grave. Fais du sport. L'ensemble des services de gendarmerie, on vient de voler un véhicule devant le QG de Georgetown, une Audi RS blanche. Oh, distance 3600 mètres du QG. Oh putain. C'est reçu mon colonel, avez-vous une direction? Pour le moment non, il va falloir que je commence mes investigations. C'est noté. On est vigilant. Et montez Schmitt. Carrément, il s'est volé une voiture. Demande le QG. Affirmatif, visiblement, ces individus. Il y en a qui ont pas froid dans le dos. Hein. Je pense qu'à l'avenir, nous ferons rentrer les véhicules des civils. Il y en a qui ont vraiment pas froid dans le dos. Hein. Bon, un régiment de gendarmerie, on vole des voitures. Alors attendez, Schmitt. Oui. Vous donnez les clés. Oui. 4641 mètres, on est encore plus éloigné. 4000, ouais. Regardez maintenant à quelle distance sommes-nous. 4800. On s'est éloigné encore plus. On s'éloigne ? Ouais. Là, on se rapproche de nouveau. 4766. 4812. Elle est en mouvement, là, le véhicule. Là. Oui, mais est-ce qu'on s'en rapproche ou pas, là ? 4831, on s'éloigne. 4870. Ah, pas trop rouge pour Central, on descend vers pour voir si on peut les choper. Non, on s'éloigne toujours encore. Il semblerait que ces messieurs soient partis vers Linjaven. 5216. Dans ce cas-là, on va s'y diriger, on est à côté, hein, au patrouille rouge. 5343, on s'éloigne. S'éloigne ? Ouais, 5492, on s'éloigne toujours encore. 5500, on s'éloigne à part si eux ils roulent je sais pas combien. Colonel, est-ce que vous avez la distance là actuellement? 5 km de nous. 5 km 6 de nous. À mon avis, ils sont plutôt vers le nord en fait. Essayez de remonter à travers Tanuka, faites tout le tour de l'île. Recrue La Fourche. Vous passez du côté du pont de Linjaven, vous remontez vers La Rochelle. 6 km, ouais. Que j'ai une petite idée de par là où je vais passer. 6 km 2. 6 km 3. Oh là là. 6 km 2, là on se rapproche de nouveau un tout petit peu. 6 km 1. On est en train de se rapprocher. 6 km 1, toujours encore. Il faut aller vers l'est. Mon colonel, vous me recevez ici, patrouille rouge. Affirmatif, je vous reçois. Donc, est-ce que vous avez la distance du véhicule? 5 km 7 depuis mon point, direction plein est. Vous pouvez répéter la direction, mon colonel, s'il vous plaît? Direction plein est de Georgetown. C'est noté, merci beaucoup. À 6 km 1 maintenant. 6 km 4 de nouveau. Ça remonte. Arrêtez-moi cette voiture là. Laquelle, mon général? C'est une bille blanche qui vient de se garer là. J'ai pas de frein. Elle a fait de la marche arrière, en contre-sens. Ah bah nous. Ah, les champions de bon. Vous allez bien, mon colonel? Brièvement. Mais brièvement là. On a perdu mes freins. Oh putain, ah oui, on a perdu nos freins, ouais. Vous avez fait votre créneau en retenant sur une bonne vingtaine de mètres à contre-sens.
Attendez, attendez. Ne me prenez pas pour un con. Vous avez 5 civils qui viennent de vous voir en même temps que le général et moi-même. Vous avez 5 civils qui viennent de vous voir. Encore une jambe. Oh putain. Et puis que je n'y voyais plus rien. Ah c'est bon. Regardez-moi si le véhicule bouge toujours. Ah, le véhicule est à l'arrêt. Mon général. Ah non, il... Ah mais on a plus de roue, colonel. Commencez à réparer si vous le pouvez. Inspecter état. Voilà. Il semblerait que le véhicule Audi RS 4 de couleur noire soit à l'arrêt pour le moment. C'est noté, mon colonel. Vous avez une distance à l'actuel. Je suis en train de réparer la 2. Vous, toujours les clés, recrue Schmitt ? Oui. Affirmatif. Vous regardez pour la distance après ? Oui. La distance, elle est de... non, j'ai plus de clé maintenant. Le véhicule a été vendu. Toutes les patrouilles, les clés viennent de se désactiver. Le véhicule a certainement été vendu. Oula. C'est noté, mon colonel. Je vais pas faire ça. Les vitres, on arrive à... Vite, vous ne pourrez pas les réparer, de toute manière, c'est pas bien grave, ça nous permettra d'être au frais. Réparez-moi juste les lights. Ok. Ah, les frais, ça me dérange pas, moi. Après le... Je veux vous laisser passer en équipe verte. Ok, oui. Et on va aller voir ce qui se passe là-bas, cet attroupement. Bien reçu. Équipe verte. Allez. T'as un peu du mal à se mettre en place dans le téléphone, la couleur. Et je confirme, couleur verte a quelques difficultés, monsieur, bonjour. Bonjour, gendarmerie nationale. Bonjour, par là-bas. On recherchait des personnes pour l'ouverture de votre société, ouais, pour faire du. Pour ouvrir une société dans la construction, en ossature en bois. Recrue Sarrier avec moi, je vous prie. Oui, reçu. Très bien. Monsieur, bonjour. Deux investisseurs qui souhaitent investir dans le bois, ouvrir une entreprise, c'est pas bien. Allez, à bientôt. Ils viennent d'être contrôlés, mon colonel. Oui, j'espère ne pas vous revoir quand on nous appelle pour un incident avec une voiture identique à la. Le général qui s'en est occupé. Bah, et si vous avez une muscle chez les blanches, ça doit être pour qu'un des doigts, le plus important. Merci, c'est très gentil. Voilà, les enfants, les de voiture, il y en a tous les jours. Oula, c'est qui Ah, et pourquoi tout de suite? Parce que j'ai une tête de noir, c'est au général, oui. C'est parce que je suis noir, ça c'est une discrimination raciale. Oui. Pas du tout. Comme par exemple, vous étiez dans les parages et vous étiez dans les voitures. Regardez tous vos collègues, vous n'avez pas un collègue qui est blanc, quoi. C'est raciste un peu ce que vous dites, quand même. Les individus derrière, apparemment, vous avez contrôlé. Quels étaient les noms et prénoms, je vous prie? Qu'est-ce qu'il veut, quoi? Des messieurs derrière, là? Oh, tu tues les enfants, on attend tranquillement, le colonel. Et les prénoms, je vous prie? Oui, je me sens pas en sécurité, je vais remettre mon casque. C'est très bien. Allez, on met son casque. Parce que malheureusement, ils correspondent au dépôt de plainte que je viens de prendre. Allez, tout le monde met son casque. Je serai les responsables. Au cas où ça part pas, il y a un marteau.
J'ai pas redemandé leur papier de port d'armes là. Mettez votre casque au cas où le colonel vous mette un coup de ça y est, Schmitt, vous reprenez les papiers. Je vais avoir les prix sur la recherche. Je casse pas avec moi les doigts. Et je ne permets pas de fouiller. C'est parti. Vous, oui, là. Par ici, s'il vous plaît, messieurs. Tous ensemble, par ici. Voilà. Et les enfants, on y va, on y va. On écoute là, les forces de l'ordre. Mettez-vous contre le mur, mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Contre le mur, s'il vous plaît, merci. Encore une photo. Magnifique ligne. Oui, exactement. Je ne peux pas, là. Pompon, ça c'est un peu galère, là. On peut pas être à côté. Ah, écartez-vous un peu, là. D'accord. On allez, les enfants, l'exécution, un peu plus. Mettez-vous bien en rond, comme à l'école. Comme à l'école. Et un rond. Je prends les deux de droite. Monsieur, j'aurai besoin de vos cartes d'identité et votre permis de port d'armes, s'il vous plaît. Très bien, très bien. D'accord. On nous a contrôlé il y a une seconde, bah, monsieur. Exactement, mais il faut qu'on vous recontrôle. Comme je suis coincé. Comme je suis coincé. Quand même incroyable, ça. Moi, je suis dans le mur. Allez, tenez, monsieur. Monsieur Barnabé de la Croix et monsieur, c'est qui monsieur Barnabé? Jean-Charles, mon fils. D'accord, donc à droite, que je regarde en ce moment même, c'est monsieur Jean-Charles, c'est ça? Oui, Jean-Charles de la Croix. Attendez, vos cartes d'identité, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, présentez-moi votre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon fils est à moitié dans le mur, là? C'est Jean-Charles de la Croix. Monsieur. Si je me fais tabasser, ça m'intéresse pas, c'est monsieur. Ça. Si, mon carte d'identité, monsieur. Cela m'intéresse grandement également. Tenez, mon brave. Ces hommes, on connaît, potentiellement. Oui, je trouve qu'ils... Regardez comme ils sont bien équipés, les forces de l'ordre. Ça fait plaisir à voir, ça. On sent tout de suite plus en sécurité. Gaspard de la Croix. Équipé pour faire un bon travail, hein. Mais pour bien vous protéger, évidemment. Vous faites vraiment très très bon travail. Sachez-le. Je vous remercie. On en a besoin, des gens comme vous. Voilà. Ça, sur l'archipel. On n'est pas les premiers fournisseurs de la gendarmerie. Lui, il est à poil dans sa baie. Pas encore, mais ça ne saurait tarder, vu les qualités. C'est en France que nous sommes les fournisseurs, c'est ça? C'est ça, mais en France. Oui, c'est ça, pas encore ça. Bon, j'avais entendu dire qu'il y avait une autre entreprise, Elexity aussi, qui vous faisait pas mal de fil à retordre. Oui, il y a pas mal d'armureries, là, il y a des armureries concurrentes, mais vous en faites pas. De toute façon, la qualité finit toujours par primer, monsieur. Personne ne résiste à la famille de la Croix, nous avons déjà de la France. C'est... Ils sont tous de la Croix, de la famille de la Croix. Les prénoms, il y a Gaspard et Edouard. Vous vous souvenez de l'année où Marie-Jeanne construit sa troisième maison? Messieurs, je vous rappelle exactement. À côté d'un moulin. C'est écrit sur les murs du château, oui. À côté d'un moulin, ces messieurs. Voilà, un peu de calme, il y a le colonel. Non, pas de police judiciaire, on les a pas fouillés. Je vais demander à monsieur Gaspard et Paul-Edouard de bien vouloir mettre les mains derrière la tête. Le général a fouillé tout le monde. Non, non, non. Monsieur Gaspard et Paul-Edouard contre le mur, et je vais vous demander de bien vouloir lever les mains contre la tête. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Une petite passion. Monsieur Barnabé et Jean-Charles, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Monsieur le colonel, allez-y, ils sont pas habitués à se faire toucher. Viens là, père. Père, viens là. Venez là, mon fils, là. Le travail des gendarmes. Oh, il y a tout le monde, il y a le colonel, oh là là. Je ne sais pas pourquoi vous souhaitez nous palper, mais allez-y. Mais j'ai pas fait ça, moi je vous connais pas, ça. Monsieur le colonel, je ne les ai jamais touchés durant leur enfance, ils sont pas habitués. C'est la nuit. Vous êtes sur moi comme vous êtes chez moi. Bah, elle vient de l'armurerie. C'est dangereux qu'il ait des patates dans le ventre. D'où vous la tenez? Où ça? Bah, de l'armurerie, monsieur. Moi, j'ai pas tout ce qu'il y a avec eux, putain. J'ai tendu mes bras parce que j'avais mal. Ça me pose, des questions, je sais pas. C'est what the fuck un peu ce soir, je comprends rien. Vous êtes vraiment des. Oui, mon colonel. Bah, je vais vous donner les clés, aller chercher la voiture. Puisque c'était. Bien reçu. Voilà, mais il y a du monde ici. Ces messieurs vont venir s'expliquer avec nous au QG. Le seul homme parfait qui doit rester. Excusez-moi, est-ce que je peux accompagner mes fils quand même? Oui, vous allez pouvoir les accompagner. Allez, on peut enlever son casque, les enfants, on n'a plus rien à craindre dans les mains des forces de l'ordre. Excusez-moi, messieurs, pardon. Attendez, je vais bien enlever mon casque. Moi, je travaille pas honnêtement, c'est pas le bordel. Bon, si, tout à fait. Bon, alors on va chercher cette voiture et on va les emmener avec. Hein. Oh là 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 là, c'est quoi ce what the fuck ce soir? Bon, alors, tac. Oula, 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 oula. C'est parce que c'est des bleus, ça, oui. Et ouais, c'est des bleus, hein, il faut tout leur apprendre. Je le dire à votre colonel aussi, hein, parce qu'il a fait la même. Bah oui, c'est un bleu. Il ne faut même pas laisser des clés sur le contact, tout de même.
Allez, messieurs, les enfants, enlevez votre casque. On est en train de tirer votre casque. On va suivre tranquillement le colonel, s'il vous plaît. Pas de chahut. Mettez les clés sur la. Alors, quel véhicule? Parce que là, il y a ici, ici. Monsieur, hein, celui-ci, celui-ci. Celui-ci, très bien. Allez, on y va. Voilà. Gaspard, Paul, Edouard, d'accord? Vous pouvez prendre un véhicule qui est à vous. Je n'ai pas 45 000 places dans ce véhicule. Ah, écoutez, moi, je ne suis pas capable de conduire un véhicule motorisé. Hein. Vous savez, à mon âge. C'est à qui la moto, là, qui tourne? Je vais vous demander de bien vouloir descendre. Et je suis Paul, Edouard. Donc, voilà. Monsieur Schmitt, si vous pourriez m'emmener derrière vous, s'il vous plaît. Juste m'équiper de mon casque de sécurité, voilà, très bien. Oui, je peux vous prendre. Allez, le plus je m'ai monté. Vous m'avez perdu, pardon. Vous allez me suivre dans le véhicule, par contre. Bah, il est là, l'autre, là, celui qui donne des coups. Je vais vous demander de rouler pas trop vite, s'il vous plaît, monsieur Schmitt. C'est, ah oui, c'est, oui, c'est, oui, vraiment très aimable de votre part. Hein. Ils ont vu dans les ruelles derrière. Et les enfants, on arrête de poser des questions, là, on les suit et on verra bien ce qui se passe. Recrue Sarrier, allez à la poursuite de l'individu avec le général. Nous allons nous occuper de ces trois individus. Et si vous êtes fatigué, j'aimerais bien que ça passe mal. Allez, on se calme. J'arrive alors. Non, Jean-Charles, ah, commence pas. Allez. Ah, excusez-moi. Ah, mais il est là, mon véhicule. Hein. Je suis fatigué, là, venez, là, aidez-moi. Mettez les sirènes, s'il vous plaît. Ils ont vu 8. Non, on va aller au QG, là. On va aller au QG, tranquillement. En général, montez donc. Qu'est-ce qui se passe là, mon général? Ils ont vu bien, c'est une mobilette. Revenez à Georges Temps, mais prenez votre temps, s'il vous plaît, par contre, monsieur Schmitt. Qu'est-ce qui se passe, David? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur ou... Mais oui, j'ai relativement peur, oui, sur les murs. Bien, j'ai peur des enfants des maisons, là. Et en général, nous avons les personnes à ramener au QG également. Description physique de l'individu? Il a mis en mode chasseur, là, vous voyez ce que je veux dire. Les forces de l'ordre et les autorités compétentes. Avec une veste olive, la couleur olive. Quel type de pantalon? On est des pros, nous, hein. Je sais plus, chasseur. Après, je joue pas vite là. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe là, mon général? C'est une très bonne vitesse là, restez à vitesse modérée, moi ça me va très bien. Attention. Je veux dire qu'une personne là qui t'abat tout. Non. Recrue Schmitt, je vous attends au QG avec les deux individus. Ah, bien, ça monsieur. Me fait bien plaisir d'être escorté en moto. Oui, c'est quand même. Niveau entretien, monsieur, sachez qu'il y a des entreprises, voilà, incapables de couper l'herbe. On fait quoi? On vient vous aider là? Affirmatif, recule la flèche SSECO, allez, aidez, voilà, le général. Allez, hop. Ah, mais on arrive là. Il a tout son mec là. Oh là là, j'ai pris vraiment... Le colonel, je suis accusé. Le suspect, il est à pied là, c'est ça là? Il est habillé. Attendez ici, je vais juste voir si... Il est habillé comment vous avez dit, David? Il est habillé d'une veste olive de relive en mode chasseur là, avec un truc à la ceinture, une espèce de couteau bon. Bizarre. Il a fermé la porte. Et il a un chapeau. Et il a une radio aussi sur... Je crois que c'est... Avec un chapeau. Je voulais juste aller fermer le portail, vous étiez là. N'est-ce pas? C'est bon. On va se rendre là, équipe rouge, sur le concessionnaire. Au cas où il prend une voiture, on va essayer de voir s'il veut pas s'enfuir via ça. Très bien. Bon. Allez, on y va, les enfants, on y va. Venez, venez, chez vous. Allez, on se soumet aux autorités, de toute façon. Vous savez, ça fait combien de temps que vous l'avez perdu du vœu là? Oui, enlevez votre casque, il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien à qui se fait tomber. Vous savez, les fois, mes crises de stress. On va peut-être voir s'il y a quelqu'un qui peut lui baisser la barrière là-bas pour voir vite fait. Après, c'est pas forcément hyper important. Gazelle est juste d'une voiture blanche, je sais plus comment ça s'appelle. Une Shelby qui se dirige actuellement vers l'église. Vous allez, vient de passer à côté de vous là. Je sais, mais je trouve ça juste. C'est qui proche, on prend la poursuite. Direction port. Elle repart au nord, au niveau du port, là. Oh, bien, monsieur Gaspard et monsieur Paul-Edouard. Oui. Faites la tournée à droite. Vous m'expliquez ce que vous faisiez. De toute façon, elle peut pas tourner à gauche, sinon elle se prend l'eau. De Georgetown, au niveau du concessionnaire. Elle tourne à droite, elle reprend vers la route principale. Salut, Sergio, ça va? Et salut, bien. Elle a traversé la route principale pour prendre. Ça, vous allez bien, n'hésitez pas à parler dans le chat, hein. C'est fait pour ça. Elle part à l'est. Pendant la soirée. Oui, très bien. On a eu un crash, elle a pris dernière vue, route qui part vers l'est. Au sud de notre position, celle qui est tout proche de nous.
Vous voulez que je cours au garage pour aller chercher une voiture là, parce que là on a pété. Coup et blessure. On a aussi pété, donc c'est mort. Sachez que la plante, c'est nous qui l'avons donnée, hein, au premier lieu. Ça va, sérieux? On a appelé... Putain, et la radio, ils en donnent, hein, putain, hein. Petit bureau, là, je vais pouvoir ouvrir tous ces dossiers. Oui, ça va, tranquille, tranquille. Avec tout ça. Écoutez, les enfants... J'essaie de suivre un peu l'histoire, mais j'y comprends rien, leur truc. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais c'est très calme. Alors, attendez, parce que... À part des conneries de... Le problème... Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette Mustang, là? C'est bon. Shelby, il faut l'arrêter. Shelby blanche, messieurs, il y a deux messieurs dedans. Monsieur, ils sont montés vers le George Story. Je vous laisse regarder un petit peu, là, les Au pire, en général, si je puis me permettre une suggestion, ce serait peut-être bien à la limite de bloquer le nord de Georgetown et puis quelqu'un monte à La Rochelle pour essayer de la choper, quoi, de façon à ce qu'elle puisse pas changer de véhicule et que ça. Non, elle passe pas à La Rochelle, elle passe pas à La Rochelle, elle est à l'est, là, elle est dans les hauts de Georgetown. D'accord, ok, c'est noté. Sur la route qui passe à côté de Channel 7. Mais oui, beaucoup. Ah oui, vous, excusez-moi. Ok, c'est raté. Il y a peut-être moyen qu'elle s'enfuit vers, sur la petite ruelle qui remonte sur les chemins derrière. Ici, là, Gaspard. Oh, voilà. Ah, c'est beaucoup plus calme comme ça, là. Monsieur, Monsieur Schmitt, là, qui nous surveille. Ah non, non, je ne surveille pas. Je ne surveille pas du tout. Comme la porte. Il faut fils de porte. Ah oui. Oui, c'est très bien. Mais sachez que Monsieur Schmitt a fait un très bon trajet. Je lui ai demandé de rouler à vitesse modérée, hein, parce que je perds déjà beaucoup mes cheveux, vous l'aurez remarqué. Et il a écouté ma demande, franchement. Et c'est vraiment de mieux en mieux, hein, cette gendarmerie. C'est qui bouge, on est réparé, on reprend la route. Permettez-moi de. On va monter là sur la hauteur avec les immeubles, les hôtels. Ah, Bon, je me le suis servi. La jonction avec les fichiers ne se fait pas. Fichtre. Ah, vous êtes riche en vocabulaire. Là, putain, mais les communications, mais c'est abusé. Oui. C'est agréable d'échanger avec ce type de personne, hein, pour une fois qu'on ne tombe pas sur un rack. Il doit être français, je pense. Hein. Vous êtes français, monsieur. Français. Monsieur de Sensé. Oui, monsieur de Sensé, mais écoutez, vous devez connaître l'organisation de la Croix, la famille de la Croix, armurier depuis 1886. Tout à fait, messieurs, j'en ai déjà entendu parler de votre. Armurier depuis. Très bien, très bien. On a eu beaucoup de retours là. On vient d'arriver sur l'archipel. Sachez qu'on a déjà croisé une deuxième personne, monsieur Legrand, il me semble. Monsieur Legrand, là, il est arrivé. Ah, mais quoi, monsieur le petit aussi. Hein. Et cet après-midi, malheureusement. J'ai été pris par mes obligations. Je n'ai point eu la possibilité de le joindre. Il me faudra d'ailleurs rattraper cette erreur. Eh oui, et sachez que ce monsieur-là, du coup, on a eu le temps de discuter un petit peu autour d'un antilleul. Et donc, il se fournit également chez nous, hein, en France métropolitaine, sachant que ça reste quelque chose de tout à fait normal. Oui, les petits gens. Évidemment, nous fournissons les armes de qualité supérieure, hein, au niveau de la France. Je vois. Alors, par contre, j'ai pu enfin accéder à ce fichier des plus réticents. Néanmoins, le souci est que je n'ai point la moindre plainte à votre nom. D'accord. Bon, c'est quoi ce problème? Bon, dans tous les cas, vous pourrez demander confirmation. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, histoire que vous soyez au courant. On va faire bref, hein, je vous rassure. C'est l'intérêt de votre présence ici. Ah, très bien. Monsieur Gaspard et Paul-Edouard soient à présent. Oui, très bien, très bien. Et du coup, vous pourrez avoir non seulement l'appui de vos collègues, hein, qui pourront confirmer mes dires, et également, il me semble que Paul-Edouard avait sa GoPro à ce moment-là. Hein. Oui, tout à fait. Bien, Paul-Edouard pourra, preuve à l'appui, confirmer la version des faits que je vais raconter tout de suite. Oh bien, premièrement, souhaitez-vous rattraper cette erreur administrative qui est que... Non, mais là, je pense qu'il est malheureusement trop loin. Là. Dans ces cas-là, nous prenons votre dépôt de plainte à l'instant. Bah écoutez, les enfants, c'est à vous de voir, les enfants. Oui, moi je dis oui, hein, j'ai quand même pris une balle dans la jambe. Mais j'ai quand même signalé que j'ai un GoPro. J'ai quand même gaspillé un chargeur. Nous allons procéder... Mon colonel ? J'ai la GoPro accrochée sur mon torse, en fait. Hein. Si jamais. Bon, ici, équipe rouge, on passe à l'hôpital, du coup. Au nom de Gaspard de la Croix. On peut pas mettre à la famille, Jacques ? Oui, la famille. Évidemment, de la Croix, nous avons tous été touchés. Hein. Oui. En gros, je filme la scène, la grosse scène, la directe. Tac. Toute la famille. Même en France métropolitaine. J'aurai votre adresse, je vous cure l'île, bien évidemment.
problème, alors je vais... J'ai juste une cigarette. Non, alors Saint-Julien, cette rue... Oui, ouais, j'ai dû perdre les clés du véhicule, je ne sais pas où, je les ai plus sur. Votre activité sur ces... Ah oui, j'ai oui. L'activité de la famille. Et je pense que pas besoin de vous le dire. Donc, maître d'armes. Et c'est ça, il est... Faire ce terme beaucoup plus élégant que... Oui, absolument. C'est un peu familier entre nous. On s'entend bien là-dessus. Vous êtes juste à côté, on arrive, on se soigne et on arrive là, monsieur. Du problème, donc c'est ce jour, le 26-10 de l'année 2036. Je cache juste la caméra. La caméra pour éviter. Vous avez un visuel, mon général ? C'est le conflit club Twitch. Vous m'excuserez, monsieur le colonel, est-ce que votre collègue, monsieur Schmitt, pourrait m'accompagner aux toilettes si possible ? Le temps que la plante. Problème, monsieur. Très bien, je vais remplir ma bouteille d'eau parce que j'ai oublié de la remplir. À tout de suite, monsieur. Nous avons déjà notre avocat personnel, non ? Sinon, vous allez mieux, monsieur ? Bah oui, oui, très bien, oui. Ça va mieux, j'ai eu un petit peu peur quand même sur la moto, je dois vous avouer. Ah, mais ne vous inquiétez pas, là, à droite. À droite. Voilà. Ah, parfait, parfait, parfait. Alors attendez, je vais juste remplir ma bouteille. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop, je vais boire un coup tout de suite, ce sera fait. Voilà, très bien. Incroyable ça. Il est dur votre porte, vous êtes des hommes musclés vous. Ah bon ? Ah oui, putain, même moi j'arrive pas. C'est quoi le délire ? Ah oui ! Ah oui, oui. Ça reste entre nous ça. Ah bah voilà. Voilà. Ah vous avez vu, je suis quand même fort. Oui, c'est vrai. Eh venez, je vous raccompagne. En général, est-ce que vous êtes là ? Oui, on a attrapé les deux. Après vous, monsieur, hein. Qui sont échappés là. Blanche qui ont changé de véhicule. J'ai cassé le. Une arme de poing. Armé d'une arme de poing. L'autre me l'a point dégainé. Oui, là, il y a une Mustang là, la blanche là. Non, ils étaient sur le concessionnaire de Garpin. D'autres informations concernant la description des agresseurs. Russe hispanique. C'est le bordel ce soir, je crois, nouveau. Mais j'ai le droit à avoir un peu de calme ce soir. Fort bien. Alors maintenant, donc description du litige, l'agression fut-elle physique ? Oui, monsieur. J'ai une balle dans la jambe. Faites-lui voir votre balle. Permettez, j'ai encore des pansements. Ah oui, il a eu très mal, il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes, on a dû appeler les secours. Les agresseurs vous ont-ils dérobé quelque chose ? Oui. Un morceau de ma peau quand même. Petite boutade, des fois il aime bien faire des boutades. Gaspard, ce n'est pas une boutade. Non, ce n'est pas une boutade. L'agression a-t-elle entraîné des dommages matériels ? J'entends bien matériel et non physique. Des parties de peau, ils ont emmené. L'inflammation, monsieur le procureur. Ah oui, quand même, la balle a entamé des... Pourquoi vous parlez de diffamation ? Il n'y a pas de preuve. Nous qui parlons de diffamation, c'est des murs qui sont mal isolés, hein, monsieur le colonel, je suis désolé de vous dire ça. Voilà, colonel, vous n'êtes pas entre moi, les comédiens. Je n'entends rien du tout, monsieur le colonel, qu'est-ce que vous dites ? Oui ? Il y a quelqu'un à la porte, ça serait bien que vous vous bougiez un peu. Ah bon ? Vous pouvez expliquer comment ils ont fait pour rentrer jusqu'ici et vous les gardez. Donc on voit qu'ils les gardent pas du bétail. Ok, bien reçu. Vous les gardez à la porte en attendant. Bien reçu. Tu parles un peu moins fort. Et allô ? Je ne me mettez pas là-dedans. Non, je peux pas. Non. Bon, messieurs, déjà, reculez juste un tout petit peu, s'il vous plaît, monsieur. Baissez juste un petit ton parce que... Vous savez, les murs sont un peu mal isolés là, donc vous entendez. Oui, bien, désolé, amigo. Hein. Donc, venez, je vous invite à patienter juste sur le transat ici, là. Là, il y a des beaux transats. Bon, il fait un peu nuit, vous pouvez pas bronzer, mais. Là, ça sera déjà bien pour patienter. Ok, amigo. Le colonel, je l'ai fait patienter au transat. Bon,
général, apparemment notre ami voleur de voiture là, il fait une crise de claustrophobie. Bah là, mais ça, mon dieu. Bah, je pense surtout que c'est du, c'est pas vrai. J'ai les radios qui fusent dans les oreilles. Ah, voilà, vous dites. Est-ce que vous voulez voir distributeur d'eau, avoir de l'eau? Distributeur d'eau, mais attendez, je vais vous donner une bouteille. Je vais vous donner une bouteille, je l'ai rempli juste avant. C'est quoi votre nom, monsieur? Petrenko, moi, Sergei. Ok, mais je vous donne, voilà. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bah, de rien, monsieur. C'est gratuit. Hein. Ah, d'accord. Et est-ce que vous disposez d'une machine distributrice, comment ils appellent? Snack bar. Snack bar? Ah bon, attendez, je suis gentil, je vous partage mon dernier donut dans la boîte, tenez. Ah, vous êtes très gentil. Merci. Ah oui, je suis très gentil, hein. Je partage, moi. Généreux. Ah, moi, je suis pas gentil. Hein. En général, je réalise une fouille de l'individu, malgré le fait que je ne sois pas PJ, ou je vous attends? En tout cas, ça parle beaucoup dans les radios aujourd'hui, hein. Putain. On voit les voix au niveau du... Ah oui, hein, oui. L'équipe rouge, on voit les voix au niveau du palais de justice, là. Radio sur 57. Ah oui. Quel problème avoir reçu les trucs médecins, même gendarmerie avoir reçu. Ah bon? Ah, on aurait dit les messieurs, là, hier, qui nous ont sauvé la... Ah bon, quand même. Lors du crash, là, déconne. Oui, être étrange. Oh, bizarre, ah oui. Ah oui, c'est bizarre, oui. Tout ça. Très bizarre. Entendu, interpellation, je sais pas là, et puis avoir entendu, est-ce que la personne blessée est encore sur point? Pas comprendre, moi. Ah oui, quand même. Oui. Oui, c'est des fois, on croit un tout petit peu quand même, au cas où s'il y en a qui écoutent, vous voyez. C'est assez dangereux si jamais on nous écoute et qu'on raconte des. Raconte oui, comme. Des voilà, ouais. D'accord, oui, tout à fait. Alors, peut-être pour intervention sur Grand Bandit, oui. Ah oui, Grand Bandit, après, voilà. Pas de travail, pas d'argent. Vous savez, si grand Bandit nous entend, on est en danger de mort. Hein. Ça va être très bizarre. Bon, après, moi, pas avoir trop de problèmes avec Grand Banditisme. Ah ben, j'espère pour vous, c'est pas toujours marrant. Hein. Oh, moi, être une pauvre personne, être fait agresser. D'ailleurs, je vais peut-être enlever les lunettes, c'est plus clair, du coup, hein. Ah, là, il commence à faire nuit, oui. D'ailleurs, moi, j'ai... C'est énervant. Ah oui, j'aime pas la nuit non plus, moi. Je me sens pas à l'aise la nuit. Tu vois, avec les bruits, vous entendez les bruits, là? C'est bizarre. Il y a même une rumeur qui tourne que dans la jungle, il y a des hommes nus qui courent et qui... Comme ça, qui baladent, qui courent. Faites attention, hein. Ah, mais faites attention. J'en ai pas encore vu personnellement, mais... C'est le général qui nous a raconté ça, hein. De quoi il parle, le seigneur, là? De quoi tu parles, amigo? Être sûrement primitif, homme primitif, promener homme primitif, amigo, mais attends, tu sais l'explication de l'homme primitif, amigo. L'homme primitif revient à la théorie de Darwin, amigo. La théorie que l'homme descend du singe. Oula! Entre l'homme et le singe, amigo, il y a l'homme primitif. Ça veut dire contre nous, les hommes de maintenant, les hommes de Merci, super de deux pour ton follow. Soyez la bienvenue à tous sur la 4K20 TV. Soyez la bienvenue à tous. N'hésitez pas à parler sur le chat. Hein. C'est fait pour ça. Pas de problème. Moi, je peux apporter quelques informations, quelques réponses à vos questions. Ah ben, j'ai pas vraiment une question. C'est que hier, juste quand je patrouillais avec le général, c'est que on s'est échoué avec l'hélicoptère, non, dans l'hélicoptère, dans la forêt. Et il nous a raconté ça, qu'il y a des hommes qui se baladent tout nus et qui font comme ça. Donc voilà quoi, je vous préviens au cas où. Hein. J'en ai pas vu moi personnellement, mais. Dios mío, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à Santa Maria. Mais amigo, tu es en train de me dire que des personnes qui ne sont pas humaines. Ah, je sais pas. Vous savez, dans la jungle, il peut y avoir toute chose, hein. Et vu qu'on est sur une île. Vous savez, des indigènes, ouais. Des trucs comme ça, hein, ça peut exister, hein. Nous sommes déjà, amigo. Et Seigneur, nous sommes en 2036, amigo. Tu crois qu'il reste des indigènes, Seigneur? Ah, bah, je peux, hein, des gens qui se sont bien planqués, hein. Qui sait, hein. Merde. Sergei. On a un petit problème, amigo. Oui, soit il y a des indigènes. Je crois qu'ils vont rester des maladies, hein.
Il y a 30 ans qu'ils n'ont pas été soignés, amis, oui. Ah oui, c'est vrai, s'il y en a, moi, j'en ai personnellement, j'en ai pas encore vu, mais j'ai pas envie d'en croiser. Hein. Parce que... Moi aussi, amis, oui. Parce que j'ai pas envie de me faire bouffer à nous. Tu peux me dire, oui, c'est oui, votre général, mais ça vaut, amigo, comme ça, j'ai vite d'y aller. Bah, je sais pas, il nous a pas dit plus. Il ne... Je sais pas s'il les a vus lui-même de ses propres yeux, ça, il faut lui demander une fois. Hein. Bah, je suis une personne qui est hypochondriaque. Tu sais ce que c'est, amigo. Ah, vous aimez pas ce... Vous avez vu de peur et vous aimez pas ces genres de gens, quoi. Hey, amigo, je suis hypochondriaque. Ça veut dire quoi, amigo, j'ai peur de tout ce qui est maladie. De tous les noix, quand je vais rentrer, amigo, je vais me laver trois fois, tu vois, amigo. Oh, putain! Ah oui. Mais ici, amigo, c'est un tic, un toc que j'ai, amigo, depuis que je suis petit. Ah, mais. Là, tu m'as dit qu'il y a des hommes primitifs, des hommes qui sont là, qui sont des autochtones, amigo. Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas reçu de vaccin. Ce sont des personnes qui n'ont pas été suivies par un médecin, amigo. Ça veut dire qu'ils ont des bactéries, des virus. Ah, oui. Putain, moi aussi, je vais me laver trois fois ce soir, alors, moi. J'ai peur, moi, mais j'ai écoute, amigo, tiens, je te donne ma carte, amigo. Et si tu vois, il y a mon numéro derrière. Ok. Je vous préviens si jamais. Oui, je vous préviens si jamais je vois quelque chose. Sur ça, amigo, tu me contactes. Oui, il n'y a pas de souci. Vous voulez croiser ce genre de personne. Merde, et t'imagines, amigo, si vous avez un virus des années 90, amigo. Ah oui, ça va, et toi? C'était pour que les personnes, amigo, étaient. On va dire que l'origine devait, amigo, était assez. En tout cas, soyez tous la, tous la bienvenue. Oula, attendez, vous ne voyez pas, voilà. Soyez là tous la bienvenue. Hein. Mettez-vous à l'aise, hein. Popcorn, tout ce qui bouge. Et oui, c'est très passionnant la discussion. Et vous, amigo, vous travaillez comme recrue, vous êtes un... Ah oui, je suis recrue, oui. Ah, vous êtes un nouveau dans la gendarmerie. Ah oui, je viens d'être je viens de sortir du lycée et de l'université, et voilà. J'ai posé un cursus militaire, gendarmerie. Ah oui, j'ai jamais travaillé avant, c'est mon premier travail, donc voilà, j'ai 25 ans, donc je découvre. Toi, avant, amigo, là, on parle de JVN. Ah oui, on parle de JVN, oui. C'est un truc très utile, hein, quand il fait noir sur cette île, tu peux voir très bien. Hein. Ah oui, ça aide beaucoup, ça, oui. D'ailleurs, oui, nous avoir garé le véhicule dedans, hein, puisque nous, on fait voler... Oui, il n'y a pas de souci. Attends, amigo, je ne vais pas raconter l'histoire que nous est arrivée. On est arrivé avec le colonel, il y avait le général. Hein. Oui. On a parlé avec le colonel, on a déposé plainte concernant une agression et une accusation de meurtre prémédité, amigo. Oui, je me rappelle, c'était vous avant dans le... Dans, si, amigo, dans son temps, amigo, on avait garé notre véhicule à l'entrée. Voilà, Audi RS, là. Eh, signora. Elle a été vendue, je crois, non? Merde, c'est tout va. Merde, amigo, elle a été vendue. Je crois qu'elle a été vendue. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'elle a été vendue. Je perds mon véhicule, maintenant je dois aller voir l'assurance. Ah oui, aller voir l'assurance, c'est mieux. Bah, je crois qu'elle a été vendue en pièces ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, on est en train d'investiguer dessus, ce qui s'est vraiment passé, mais... Voilà, quoi. En tout cas, si on trouve une... N'importe quel. N'importe quelle trace de votre véhicule, on vous tiendra au jus de toute façon pour ça. On est en train d'investiguer dessus, mais voilà, forte chance, vu l'heure qu'il est. Tu vas toi pouvoir porter plainte pour vol de véhicule. Oui. Je vous invite à raccompagner ces messieurs à la sortie et à leur ouvrir la barrière, d'accord? Affirmatif, le colonel. Je vous prierai bien vouloir retourner à vos véhicules, leur assassin, vous accompagner. Sauvage! C'est vous, non mais vous entendez ça, nous sommes les personnes les mieux élevées de cette île. Allez messieurs, suivez-moi, roulez au pas messieurs, hein, parce que si... Hey monsieur Schmitt, t'es encore très très content d'avoir fait votre connaissance, vous êtes... Ah mais de même monsieur. Voie, monsieur. Allez monsieur... Allez, et le coup de la porte, hein, ça reste entre nous, hein. Oui, allez, à bientôt, ouais. La famille de la Croix vous salue, monsieur. Roulez juste au pas, je vous ouvre le portail. Mais roulez au pas pour éviter d'écraser les gendarmes qui peuvent courir, c'est... Et je cours plus vite que vous, moi. Hein. Excusez-moi, je ne connais pas encore la musique. Ah, je suis rapide, moi. Hein. Oui. Attendez, je vous ouvre. Voilà. Allez, bonne route, messieurs. Hein. Faites attention sur la route. Hein. Oh putain. Waouh. Oh putain, la belle caisse.
Alors moi personnellement je préfère jouer jouer flic que rebelle, mais après voilà, je pense que rebelle ça chaque truc a son kiff. Voilà mon colonel. De voir avec le haut juge, savoir s'il souhaite vous entendre dès aujourd'hui au tribunal. D'accord, et tribunal être palais de justice, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Eh, amigo, tu n'as pas de palais de justice au ministère de la justice en Russie, amigo? Ah, c'est très différent des fois, mais c'est vrai. J'ai oublié que vous êtes de communiste, hein. Ah, par contre, je vais te dire une connerie, mais mon capitaine, qu'est-ce que tu veux que je foute dans l'avocat? Moi, j'ai travaillé les manques déjà. Amigo, toi, on témoigne. Témoin, monsieur Rodrigo, vous n'avez nullement besoin d'un avocat, vous le savez. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avocat là? Il n'y a pas besoin d'un avocat, amigo. J'ai des connaissances dans le terme juridique. Je vais vous représenter. Mais qu'est-ce que c'est que le rapport avec les avocats de merde? Non, calme-toi, amigo. Je te dis, je suis avocat. Toi, t'es un témoin, amigo. Toi, t'as raté à la part. Je vais vous raconter un avocat, le traitement de l'homme. Je vais vous inviter à aller récupérer monsieur Fauché au magistrat de cette île qui est. Je vais vous inviter à aller récupérer monsieur Fauché au magistrat de cette île qui est. Ah bonjour monsieur Fauché. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, vous pouvez rentrer avec le véhicule. Oui, garez-le à côté de la BMW blanche là-bas. Okay. Ce sera plus en sécurité aussi, parce qu'il y a déjà un véhicule qui s'est fait voler. Bonjour monsieur. Bonjour. Exactement. Et voilà. Venez, je vous accompagne chez le colonel. Oula. Petit souci. Okay. Venez me suivre, messieurs. Vous allez bien monsieur. Oui, très bien, très bien. Je vous présente monsieur Torres, hein, qui est potentiellement, éventuellement un futur juge. Donc c'est pour ça que je l'ai amené avec moi. Oui, il n'y a pas de souci. Un petit peu le Kevin travail. Kevin Schmidt, recrue Kevin Schmidt. Vous le présentez aussi. Enchanté, recrue Schmidt, je ne sais pas si on a eu l'occasion de... Oui, plusieurs fois déjà, plusieurs fois. Oui, certainement. Vous vous rappelez au barrage checkpoint Ah oui, en effet, je me souviens de vous, oui. Voilà, c'est moi. Tout à fait, vous étiez avec votre collègue, je n'ai plus son nom en tête. J'étais avec Seco et Lucas ce jour-là. Oui, monsieur, c'est Seco, oui. Oui, voilà. Et monsieur, je ne sais plus, Lucas quelque chose. Lucas Sarrier. Et voilà, monsieur Sarrier. Général... Ah, le colonel de Sampsé. Ah, non. Voilà mon colonel. Ah, bonsoir monsieur. Bonjour colonel de Sampsé, comment allez-vous? Enfin, bonsoir. Fort bien vous-même. Écoutez, fort bien. Je vous présente monsieur Torres, qui est potentiellement un futur juge. Je n'ai pas un fond vert, j'ai un fond bleu, moi. Un petit peu mais, le métier. Oui, c'est vrai. Si cela ne vous dérange pas. Pas loin du monde. Après, voilà, c'est pas le top pour le moment encore. Je vous le cache pas. Hein. Les deux dossiers. Il faut que j'améliore encore tout ça. Faire mesure. Monsieur Fauché, regardez si vous avez accès à ce dossier-là. Ah, attendez, je regarde. Uniquement lui. C'est à moins que vous l'ayez complètement scotché pour que je ne puisse pas l'ouvrir. Non, c'est bon, j'ai accès à ce petit dossier. Parfait. Donc, les deux dernières plaintes au nom de monsieur Petrenko, Sergueï. Et de la famille de la Croix sont les deux justement qui concernent notre affaire. Vous avez monsieur, bonjour. De la Croix qui vient justement de partir. Et vous avez monsieur Petrenko ainsi que des. Oh. Respect, monsieur le haut-commissaire. Repos. Ah, monsieur le haut-commissaire. J'allais vous envoyer un message pour vous dire que j'étais. Merci. Qui avec monsieur Torres, voir. Vous m'avez effrayé, monsieur. Il n'y a pas de souci. Oh, désolé, excusez-moi. C'est vrai que j'ai le pas de chat. C'est parce que je fais du kung-fu depuis un moment. Je sais marcher sur le chat. Ah, mais c'est bien, chat. J'aimerais bien, il faut voir. Si j'ai écoutez, pourquoi pas. On pourrait faire un cours sur un tatami dans un dojo. Hein, ça pourrait être intéressant.
Ah oui. Comme oui, je vous oui. disais, donc, monsieur Fauché, oui. Vous avez à l'intérieur du bâtiment les monsieur Petrenko, Sergueï, ainsi que son ami Bolivar. Putain, que je me suis rattrapé à l'instant. Monsieur Rodrigo, qui souhaitait vous parler pour un entretien préliminaire. C'est en gros le, bien mais monsieur, le gros chef, on va dire ici. Alors, on le est gros chef de l'île, quoi. Qui est de monsieur Sergueï. Concrètement, nous avons une plainte de monsieur Sergueï contre la famille Delacroix et une plainte de la famille Delacroix contre monsieur Sergueï et ah monsieur oui. Polivar. Dans un sens, c'est très sympathique déjà. Comme cas, voilà, tout à fait. Dans un sens, c'est l'un qui a tiré sur l'autre. Dans un sens, c'est l'autre qui a commencé à tirer sur l'autre. Alors, où sont ces deux personnes ou ces deux... Ne venez pas. Alors, la famille Delacroix vient de partir, mais vous avez. Je suis censé. Vous auriez dû éventuellement retenir monsieur Delacroix pour qu'on puisse régler cela au plus vite. Ok, ok, merci d'être passé à toi. À plus. Hein. N'hésite pas à repasser quand tu veux. Vous n'avez pas envie non plus d'encombrer votre commissariat. Éventuellement, on pourrait voir cela au tribunal. Je vous laisse voir avec ces messieurs. Alors, vous me dites ça si vous le souhaitez. Je peux faire convoquer monsieur Delacroix au tribunal. Je pense que, étant membre de bonne famille, il ne fait pas. Oui, il comprendra très bien, je pense. Écoutez, bonjour, messieurs. Ouais, Jean-Louis Chico. Bonjour, je me présente, monsieur Cru Schmidt. Attendez, je vous donne le numéro de Barnabé Delacroix. Je lui ai envoyé un message. Se rentre au plus vite. Écoutez, monsieur Barnabé Delacroix. Barnabé Delacroix. Se rentre au plus vite au palais de justice et il sera entendu par le haut magistrat, monsieur Fauché, d'accord? Ok. Je vous laisse d'ailleurs accompagner le haut magistrat Fauché. Il va falloir que je signe ma fin de service. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette affaire peut être, à mon avis, rapidement réglée. Si messieurs Delacroix veulent bien se présenter. Je vous invite, monsieur Fauché, à vous diriger au palais de justice. Vers le palais de justice, ça va éviter de monsieur Delacroix, il n'y aura point de problème quant à sa présence d'ici quelques minutes, bien évidemment. Bon, parfait. Bah, je vous laisse les contacter. Nous allons nous diriger au palais de justice, messieurs, si vous avez un véhicule pour vous y rendre. Monsieur Fauché, d'ailleurs, la rue Schmitt vous accompagnera pour assurer la sécurité du tribunal. Écoutez, c'est parfait. Est-ce qu'il est au courant de l'affaire Oui, il était présent avec moi lors du dépôt des plaintes. Il sera très utile. Écoutez, messieurs, je vais vous inviter à nous rejoindre dans quelques instants au palais de justice. Nous y rendons, monsieur Torres. D'accord, pas de problème. Et puis avec la rue Schmitt, et puis on verra cela avec messieurs Delacroix là-bas. Nous avons réglé ça incessamment sous peu. Rue Schmitt, vous voulez monter avec notre véhicule ou vous prenez votre véhicule de fonction? Moi, il n'y a pas de problème. Si j'ai le droit de monter avec vous, je monte avec vous. Bah, venez avec nous, allez-y. Oui. Les petites affaires, là, ça fait plaisir. Oui. Oula. Tac. De toute façon, c'est les détails de la plante, mais nous allons revoir ça oralement une fois au palais de justice, ne vous en faites pas. J'ai envoyé un message à monsieur Barnabé Delacroix pour qu'il vienne au palais de justice tout de suite. Parfait. Bon, parfait, nous allons pouvoir régler ça rapidement. Par contre, vu le nombre de personnes impliquées, je pense qu'on va devoir utiliser une salle d'audience. Ah, si. Ce serait pas étonnant. On va inaugurer la salle d'audience. Ah, oui, inaugurer la salle d'audience, exactement. Vous avez bien raison, monsieur Torres. Petite audience nocturne, ça va faire du bien. Ah, bah oui, je pense bien. J'ai jamais été là-bas, donc ça va faire l'occasion de visiter. Complètement, écoutez. Donc, allez-y, monsieur. Voilà. Monsieur Schmitt. Oui, je suis dedans. Oui, je vais faire un après. Oh, allez-y, monsieur le tribunal de justice. Ah là. Bon, voilà une affaire qui va être. Compliqué et sympathique. J'ai rencontré monsieur Delacroix. Je viens de recevoir un message de monsieur Barnaby, il est en route. D'accord, parfait. Écoutez, de toute façon, nous avons les témoignages, les dépositions qui ont été déjà effectuées. Donc, nous n'aurons pas besoin d'écouter les différentes personnes séparément. Alors, hop. Je vais reprendre tous mes petits dossiers de procédure sous la main. Histoire de bien appliquer ça comme il faut. Ah oui. Ah là 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 là.
Ouais, mais qu'est-ce que c'est beau. Je vous laisse aller ouvrir le portail, monsieur Schmitt. Oui. Ouais, allez, j'y vais. Ah, je referme au pire. Allez-y, allez-y. Ouais, voilà. Non, c'est tout le monde qui rentre dedans ou... Allez-y, messieurs, si vous voulez mettre votre véhicule en sécurité. Ah ouais, c'est véhicule une fois, pas deux. C'est un parking auquel tout le monde peut entrer. Je pense qu'on va attendre messieurs Delacroix de toute façon. Ah, mais en tout cas, c'est beau avec les belles statues quand même. C'est sympathique. Hein. On a une petite architecture qui mélange du moderne et du traditionnel local. Ah oui, mais c'est très beau. C'est très beau. Et c'est très agréable. Ah bah parfait, je pense que c'est eux. Ah oui, oui, je pense. Oui, oui, c'est eux. Vous êtes messieurs de... Vous êtes messieurs de la Croix, c'est ça? Oui, allez-y, je vous en prie. Gardez-vous à l'intérieur. Alors, permettez-moi de mettre mon clignotant. Allez-y, allez-y. Vous faites partie des rares personnes qui mettent leur clignotant. Vous avoir mon permis. On fait partie des rares personnes un minimum éduquées sur cet archipel. Ah, vous êtes nombreux, messieurs. Oui, c'est la famille de la Croix. Oh, mais tiens, mais tout le monde, vous êtes tous venus. Vous êtes tous venus en voiture? Je ne peux pas avoir assez de place de parking. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, lui? Et vous joindre à nous, monsieur le haut-commissaire? Ah, oui. Allez, les enfants, on enlève le casque. Hein, nous sommes en sécurité ici. Oui, vous êtes en sécurité, messieurs. Hein. Allez, on enlève le casque, on est en sécurité. Il y a des autorités compétentes. Ah oui, je suis là. Je fais attention à vous. Hein. Monsieur Schmitt, qui est toujours là pour nous protéger. Ah oui, oui, toujours. Hein. Il faudrait le recruter en tant que garde du corps, non? Ah, toujours. Hein. Ouais, je suis toujours là, protégé. Hein. Oui, monsieur Schmitt. Ah oui. Vous avez une belle voiture, en tout cas. Oui, monsieur. Waouh. Monsieur Schmitt. Oui. Est-ce que les personnes ont été fouillées hein? Non, personne n'a été fouillé. Monsieur Schmitt, permettez-moi, on a été fouillé juste avant d'être emmené au commissariat il y a 2 minutes. Hein. Ah oui, bonjour, oui, c'est vrai aussi. Avec monsieur le colonel. Bonjour, monsieur Fauché, c'est ça? Voilà, bonjour. Très bien, les enfants, le bisbeur. Allez, on y va. On est bien élevés. Écoutez, oula. Je vous remercie, monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt, je sais que vous avez voulu les fouiller, c'est ça? Ben, on m'a bien demandé de si j'avais fouillé, j'avais dit non, mais... Palais de justice. Bah, attends, j'ai une arme de... Donc, monsieur Torres, parce qu'il est très sympathique. Ouais, laissez tout ce qui est armes laissées ici, hein. Ce qui est armes laissées ici. J'ouvre mon véhicule. Et éteins donc ton véhicule. Ah oui, c'est vrai, je vais couper le... Dans les voitures, messieurs. Oui, voilà. Monsieur Schmitt va procéder à une petite fouille très rapide à l'entrée du palais de justice. Pas de problème. Une seconde, laissez-moi faire le tour. Parce que la sécurité. Voilà. Allez, les enfants, les bas sur la tête. Donc, bien sûr, monsieur en noir. Lunettes, hein. On rentre dans un bâtiment de justice quand même, on enlève les lunettes. Vous pouvez garder vos lunettes. Hein. Je vous demanderai juste si vous pouvez enlever vos couvre-chefs, ce serait très sympathique. Tenez, enlevez vos sacs. Et en parlant d'enlever vos couvre-chefs, montrez l'exemple un petit peu, s'il vous plaît. Alors, bon, c'est j'y vais une demi. Voiture pour enlever votre sac, si vous souhaitez. Monsieur Schmitt, ça fait partie de l'équipement réglementaire, je lui en tiendrai par rigueur. Voilà, excusez-moi, c'est juste que. Pour vérifier. C'est bizarre. Ah, bravo. C'est bizarre pour. C'est le protocole, on va dire, pour vérifier. Ah oui, en effet, c'est assez étrange. Oui, par contre, ce n'est pas normal que vous deviez menoter les personnes pour pouvoir les fouiller. Hein. Ah oui, c'est pas normal, oui. Mais bon. C'est un petit problème. C'est un petit problème, mais bon. Et c'est bon pour vous, monsieur. Vous savez, quand tout est bon, on libère. Hein. Voilà, pour vous, c'est bon, vous pouvez avancer. Monsieur, comment... Trenko. Monsieur Petrenko, je vous en prie. Pour vous dire, monsieur Torres, est-ce que vous pouvez conduire dans la salle d'audience en bas, s'il vous plaît. Je vais me défendre encore. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous défendre toujours encore, je vérifie. Ah, ben pour vous, c'est bon aussi, monsieur. Donc, vous pouvez aussi y aller. Voilà. Et pour vous... Allez-y, monsieur. Oui. Suivez votre collègue jusqu'à la salle d'audience. Ouais, monsieur Schmitt, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, de laisser un
pour les je demandes. Je me dépêche, comme ça, ça n'arrête pas à terme. Intelligent, vous avez vu, Paul Edouard a déjà menotté. Il nous a déjà menotté pour gagner du temps. Ah, ah bah, c'est gentil, mais c'est bon. Paul Edouard, c'est quand même incroyable, ce QI 160. C'est Jean-Charles, moi. C'est Jean-Charles qui a fait ça. Oui, c'est Jean-Charles. C'est bon pour vous ici, monsieur. Voilà. Merci, monsieur Schmitt. Bonjour, c'est Schmitt. Ah oui, on est très compétent. Si vous voulez attendre vos collègues, vous pouvez les attendre juste là. C'est bon aussi. Un peu perdu sans leur père. Moi, j'ai pas pu m'auto-monoter, vous m'excusez. Ah. Oui, oui, oui. J'en profite pour vérifier. Tu dis que sans m'auditer. Vas-y, rentre. Pour éviter que ça fait trop mal trop longtemps. Là, c'est bon aussi. Oh, tous ces véhicules dehors. Vous avez vu, on a sorti le grand jeu. Voilà. Je veux dire. Bien sûr, oui, la famille. Oui, laisse passer, comme ça. Ouais. Je peux. Espère, c'est pareil, tu essuies bien tes pieds, s'il te plaît, en rentrant sur le paillasson. Ah, ils sont bien éduqués, hein. C'est la base même de la réputation de notre famille. D'ailleurs, je vous poserai la question, comment trouvez-vous ces magnifiques drapeaux français que j'ai fait installer aujourd'hui? Et c'est bon pour vous aussi. Oh, écoutez, vous sachez qu'on a presque les mêmes sur notre armurerie à Paris. Hein. Excusez-moi si j'ai dû mettre les menottes. Je me suis des pieds. Allez, on y va. Là, entrez, je vous en prie. Allez-y. Je vous en prie, je fermerai derrière vous, c'est bon. Ah, ok. C'est très beau ici, les enfants. Ah oui, c'est très beau. C'est tout neuf. C'est très très beau, c'est tout neuf, mais je vous en prie, nous allons continuer. Attendez, excusez-moi, nous allons continuer. On vous suit, monsieur Fauché, on vous suit. Suivez-moi. On y va. Je suis du même point que vous, j'étais jamais là-dedans. C'est un parrain ici, parce que la porte est étroite tout de même. Allez, monsieur Schmitt, on dirait presque un frère de la croix, dis donc. Oui. Ah bon ? Il parle de tout ça. Voilà. Hop là, vos pieds là, on est suivi. Très joli, très joli. Oh joli, on dirait en Chine. Ouais. Rappelez-vous père qu'on était quand on est parti en Chine. C'est un effectivement, oui, on a une armurerie en Chine également. Oui, on me rappelle notre armurerie Machine Town. Très très Machine Town. Ah oui, magnifique tour. Donc je prie messieurs de la Croix de s'installer à ma droite. Oh, oui. Et messieurs Petrenko et ses collègues de s'installer à ma gauche, s'il vous plaît. Laisse-moi faire pour séparer les deux parties. Alors attendez parce que j'ai du mal, il faut que je me mette. Très bien. Comme vous, alors la gauche m'a dit que c'est... Ici, à gauche. Quand je tourne la tête dans ce sens-là, c'est ça aussi. Là, c'est ça, exactement. Okay. Monsieur Schmitt, si vous désirez vous asseoir, vous pouvez. Si oui, oui, dans le garde du corps. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Torres, je suis désolé, je n'ai pas de siège pour vous. Si vous souhaitez vous asseoir par terre ou sur une chaise, bon, comme vous le souhaitez. Donc, alors, messieurs, je vais reprendre rapidement votre dossier, hein, qui est, ma foi, un petit peu compliqué. Oui, excusez-moi donc, si c'est un peu long, si ça squatte un peu. Mais bon, eu deux dépositions. Je dois m'occuper de ça, donc voilà quoi. Une de monsieur Sergueï qui est à ma gauche. Je t'envoie un message sur le truc comme quoi, voilà. Monsieur Delacroix. Et une de monsieur Delacroix à ma droite et à l'encontre de monsieur Sergueï et ses collègues, c'est cela ? Effectivement, oui. Vous confirmez, messieurs ? Oui, bien sûr, oui. Nous devons faire la déposition et il y a très peu de temps. Oui. Donc, alors, cette plainte concerne, alors je relis, vous avez tous déposé plainte pour, c'est long, atteinte à l'honneur, agression physique, agression morale avec menace et tentative d'assassinat. Et ça, c'est ça, oui. D'accord. Donc, vous estimez le préjudice subi entre 150 000 et 500 000 euros, c'est cela ? Bon, heureusement, IRL, je ne vis pas ça. Donc, j'ai le droit de vivre ça en jeu, quoi. De toute façon, les scènes de tribunal. Donc, alors, le lieu du litige aurait été le concessionnaire de Georgetown. Vous accordez sur ce point, c'est parfait. Bien, oui. Alors, donc, description du litige. Oula, ça m'a l'air long. Alors, bon, je vais reprendre un petit peu la déposition de monsieur Sergueï en premier, qui dit, arrivant sur place principale, on a commencé à faire connaissance avec les personnes présentes, des individus ont refusé de nous parler, nous n'avons pas insisté. Ces derniers ont alors commencé à nous insulter, nous traiter de primitifs, nous avons alors cherché à comprendre et nous ont menacé dans la discussion. Il a alors sorti son arme, celui en costume noir avec casquette et lunettes et gros sacs, et a menacé de mettre une balle dans la tête s'il ne me donnait pas
nous ne lui donnions pas, je pense que vous voulez dire ça, monsieur. Et ça nous aurait essayé. Oui. 150 000 euros. Nous avons alors dit que nous allions appeler la gendarmerie. L'homme a tiré. Monsieur Bolivar a été attaché sur place publique et menacé par la suite pour 300 000 euros. Donc, monsieur Bolivar, qui est. Fermé, selon moi, seigneur. Monsieur Derrière, c'est ça? Et c'est moi. D'accord. Parfait. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre déposition, monsieur? Et non, tout est là. Rien de particulier, parfait, tant mieux, ça me facilite. Pardon? Il n'y a plus rien à ajouter. D'accord, bon, ça me facilite la tâche. Alors, de l'autre côté, nous avons messieurs Delacroix qui disent, je cite, « Nous étions sur la place du concessionnaire, mon véhicule était garé ainsi que ceux de mes frères et de mon père, alors que nous souhaitions partir... » Excusez-moi, je coupe juste à cause de la cigarette. Armé, c'est permis de la caméra. Cracher dessus et d'émettre des vulgarités à nos... Et soit la bienvenue, papa. Nous avons alors envoyé un message rapide à c'est une séance un peu... des voies de fait. En RP, l'individu c'est un peu ennuyant, enfin, son arme et RP parlant, non. Les secours sont revenus, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'action. On va dire. Décida de sortir son arme. N'hésitez pas à parler dans le chat. Pour neutraliser l'individu avant l'arrivée des secours. Nous souhaitons au bureau, d'accord, ok. Alors, est-ce que vous confirmez votre témoignage, messieurs de la Croix, et est-ce que vous n'avez rien à ajouter? Non. Parfait. Alors, je vais rapidement examiner ce qui a été apporté par les deux parties. Je vois que vous parlez d'un. Des secours qui sont intervenus pour vous porter aide. Est-ce que vous avez le nom d'un secouriste, par hasard, qui vous aurait porté aide? Non, du tout. D'accord. Bien, d'accord. Écoutez, monsieur Sergueï, quand vous avez déclaré, je cite, « Il a sorti son arme, celui en costume noir avec casquette et lunettes et gros sac. » Vous parlez, du coup, de monsieur... Monsieur... En tout cas, la salle, elle est bien faite, je trouve. Ah, d'accord. Monsieur Bolivar. Ça fait très beau, n'empêche. Monsieur Delacroix, lequel d'entre vous correspond du coup à cette description? Jean-Charles. Jean-Charles, oui. Monsieur Jean-Charles, d'accord. C'est monsieur Jean-Charles, vous confirmez, monsieur Paco? Ah, je ne connais pas son nom, mais... Ok, merci d'être passé, Louise. Bonne nuit à toi, à demain. D'accord. Et monsieur... Monsieur Jean-Charles, est-ce que vous confirmez que l'individu... Enfin, qui était du coup l'individu qui, selon vous, a sorti son arme et a tiré sur vous ou l'un de vos... des personnes de votre famille? Et ils ont changé de style entre eux deux, donc je ne peux différencier avec leur couleur de peau, ils ont presque tous la même couleur de peau. On pourrait le reconnaître à la voix. Salut, salut, production, cheval, ça bien bien soi. Odin, Odin Nagot, c'est pas à toi pareil, sois la bienvenue. Bah c'est lui. Hein. Bon, il se dénonce, c'est très bien. On a des affaires qui opposent principalement. Oui, ça va, il doit. Monsieur Jean-Charles, c'est ça? Non, en fait, c'est à toute la famille, hein, parce que Jean-Charles, vous lui défendez, parce qu'en fait, c'est Gaspard. Qui a soi-disant reçu une balle. Gaspard qui a pris une balle, oui, effectivement. Moi avoir reçu une balle aussi, moi avoir fini au balle. D'accord. Oui. Donc, monsieur Petrenko et monsieur Gaspard ont reçu une balle et fini à l'hôpital. Est-ce que vous avez le nom du médecin qui vous a pris en charge? Moi, être directeur de l'établissement. Oui, ou le dirigeant en rapport médical. Excusez-moi. Donc c'est donc le dirigeant, monsieur Corio. Exactement, c'est ça, Maptanois. Ah. Bah, écoutez, j'ai un nouveau serveur, Nolocha. Pour avoir deux, trois petites informations. Si tu veux avoir plus d'informations, tu peux faire point d'exclamation Nolocha. Comme c'est marqué sur le titre, là, marqué sur l'image. Normal qu'il n'y ait plus personne qui parle. Merci pour le follow, Pim Sefi. Ça va, bienvenue à toi sur la 4K TV. Qu'est-ce que c'est que toute cette chose autour là? Oui, il y a des motocross là. Ah oui. Monsieur Schmitt, est-ce que je pourrais vous laisser jeter un petit coup d'œil? Oui, je vais regarder ça. La présence de toutes ces motos en bordure de l'hôtel du palais de justice m'inquiète un petit peu.
Alors. D'accord, ok. Donc. Tiens. Voilà. Bon, on patrouille un peu, hein, mais ça m'a l'air calme. Hein. Oui, c'est le père de la croix qui père la croix qui est là. Ah, oh, ah oui, je vais te comprendre, c'est toi. Un problème en général ? Il y a eu l'hôpital, on va se faire encore. Le connard. On attend là dehors que ça débouche. Sur la situation. Je rapidement, regardons rapidement la vidéo et j'écouterai votre déposition ensuite. Tout est calme, monsieur Fauché. Ah, c'est la barrière là. Mmh. Ah, bah oui. D'accord, est très bizarre quand même, hein, vidéo téléphone, ouais, d'accord. Ouais, la vidéo du téléphone est assez bizarre, en effet, je m'attendais pas forcément à ça. D'accord, hein, ouais. Être vu drone peut-être, non, toi On sait, le drone. Le drone, je vous suivrai tout le temps, moi, là, pour avoir vu. Hein. Alors, attendez, ne bougez pas. J'arrive dans quelques petits instants, à moins qu'il ne soit pas là. Donc, soit-il. Bon, bah là, c'est moi, équipe CCCCO. On voit tous les deux points de notre fin de service, là. On vous souhaite une bonne soirée. Bah, c'est une vulgaire vidéo de montage, ami. Oui. Je refais toutes les semblances sur cette vidéo. Oui. Oui, d'accord. Bon, messieurs, vous comprendrez que je me dois d'ignorer une partie de cette vidéo tout de même. Mais surtout, monsieur. L'aspect drone ne me plaisant pas vraiment, messieurs Delacroix. C'est très bizarre, ouais. En revanche, la fin de la vidéo peut être retenue. De toute façon, oui, de toute façon, le principal... S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Le principal étant, à la fin de la vidéo, bien sûr, quand on l'entend dire « Oui, vous approchez pas de mon habit, sinon je vous descends tous hein, », sachant qu'il y a déjà, mon fils qui est au sol en train de gémir. Attendez, je vais reprendre cette version de la vidéo. On est d'accord que l'on y voit monsieur, alors qui est monsieur, et j'essaie de vous reconnaître, monsieur Petrenko, je pense, à moins qu'il ait changé de vêtements. Oui, ça a l'air d'être monsieur Petrenko avec son arme. Monsieur Petrenko, est-ce que vous confirmez que c'est bien vous que l'on voit vers 30 secondes avec votre arme ? C'est très bizarre, mais ouais, c'est moi, ouais. Non, on reconnaît bien la voix, relâche-moi. On voit également un de vos collègues qui est... Je crois qu'on voit un de vos collègues qui est menotté. Monsieur Fauché, veuillez me laisser m'exprimer, s'il vous plaît. Et monsieur Bolivar, je vous que cette affaire est complètement rocambolesque. Car le témoin ici présent devant vous, Seigneur, il a dit que c'était moi, le Seigneur Paco Bolivar, qui avait sorti son arme et qui avait tiré. Alors, vous êtes d'accord sur ce point, sur le jour? Non. Celui qui a tiré, c'est celui qui va te parler juste avant. On peut reconnaître la voix. Quand Jean-Charles, le ici présent, s'est levé, j'ai dit c'est moi, le Seigneur Paco Bolivar, il a dit si c'est lui, il avoue que c'est lui qui nous a tiré tout ça. Excusez-moi, je confirme, messieurs, s'il vous plaît. Oui, bien. Calme. Donc, moi, je confirme ce que me dit monsieur Bolivar. Il y a une incohérence dans la version de monsieur. Objection, Bolivar. Votre honneur. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur Delacroix. Vous êtes une personne, je crois, de Siron, assez noble, qui comprenne que si une personne parle, vous la laissez continuer. Nous sommes d'accord. Sauf si Didier Boba, bien évidemment. Donc, ça, c'est trippant quand même de suivre un tribunal. Code pénal 21, qui dit que
si tu dis pas que tu es en train de filmer, cette vidéo n'a aucune équivalence devant le juge. Même si ça prouve des choses, alors ça part retenu. On l'a dit plusieurs fois, excusez-moi de vous couper, mais, on entend pas l'a dit sur plusieurs la vidéo fois qu'on tourne, c'est bien dommage, amigo. Un dispositif. Tu dis que c'est moi qui ai atterri, alors oui, que c'est pas moi qui ai atterri. Drone, tout ce que tu dis que tu as filmé alors que c'est un drone, mais il faut savoir, hein. Moi, je voudrais que cette vidéo. On a simplement dit qu'on avait une vidéo à l'appui. Nous, amis, cette vidéo étant présentée, n'essayez pas de vous défendre. Nous avons un témoin clé. Effectivement, qui était il y a présent, eu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Effectivement, il y a eu confusion, mais sachez que vous vous ressemblez énormément. Maintenant, si on entend bien les voix, monsieur Fauché, vous comprendrez bien que les voix sont identiques. Excusez, messieurs, je m'absente un léger instant. J'ai besoin d'un avis externe concernant cette vidéo. Bah, monsieur votre honneur, si vous êtes prêt à accepter que votre tribunal accepte et reconnaît l'utilisation de la magie sur l'île, ah oui, vous prenez en compte la vidéo, sinon c'est aucun sens. Vous avez un vulgaire montage, nous avons un témoin clé qui était là, qui avait assisté du début à la fin et qui a témoigné en notre faveur que c'était vous les agresseurs. Ce témoin, c'est... Ouais, c'est moi, monsieur, c'est Manuel Rodrigo. C'est vulgaire, mais c'est pas possible. Bon, pourtant, permettez-moi de vous dire, messieurs, que sur notre enregistrement... Oui, ton enregistrement qui est un vulgaire montage, hein? Nous ne pourrons point monter vos têtes sans vous avoir filmé préalablement. Gaspard, laissez-les parler, les enfants, de toute façon, nous avons les preuves à l'appui. Tu n'as pas besoin de se défendre contre ce type d'individu. Tu peux fabriquer, amigo, tu es riche, tu l'as dit, tu l'auras dit, donc tu peux fabriquer ça, amigo. Hein, tu non, fais appel à un des réalisateurs hollywoodiens. Moi, en sortant du tribunal, je branche un drone. Nous sommes le peuple, amigo. Oui. Monsieur Schmitt, est-ce que vous pourriez faire taire ces individus-là? Ils n'ont pas le droit à la parole. J'aimerais éviter d'avoir une conversation avec eux à partir de maintenant. Oui, en quel honneur vous avez droit à la parole. Messieurs, ne vous battez pas. Merci, merci, Lino, François Polo. C'est la bienvenue sur la carte partie. Pas sur un conflit qui s'est passé. Ah, ça ne sert à rien de se disputer. Attendez que tout le monde soit nouveau là, soit nouveau présent. Pour en discuter convenablement avec une personne en face qui est neutre. C'est ce que moi je peux proposer. Moi je suis pas assez compétent, on va dire, pour me mettre pour une part ou pour l'autre. Donc voilà. Et je vous en remercie, messieurs. Les grillons, non? Je sais pas, j'ai entendu toquer, mais je suis pas sûr. Aussi. Ah oui, il y avait bien quelqu'un. Bah. C'est où? Ah, il sait pas. Putain, il y a des fantômes ou quoi? Comment il se passe? Je sais pas, c'est peut-être le médecin là. Ah, je sais pas. Oh, il viendra nous toquer au cas où. Je sais pas. Il est parti. Ça a l'air calme dehors, il n'y a personne. Ah ouais. T'as vu, il a fait quoi? Oui, il est passé où? Il va revenir, je sais pas. C'est un magicien? Oui, il s'est caché sous le bureau, regarde. Ah ouais? Ah oui, il est caché sous le bureau. Il est mort, monsieur le procureur. Non, il s'est caché sous le bureau. C'est des petites blagues. C'est des petites blagounettes. Et voilà, il se fait un peu bonsoir. Bonsoir. Ça va, et toi? Je vous l'avais dit. S'il plaît, c'est une preuve, c'est Nawak.
Oh non, mais on n'entend plus rien là, c'est quoi ce délire? Et de quoi, Place? J'ai pas vraiment compris, Odin, ce que tu voulais dire. Ben, le giveaway, ça sera des clés Steam random, quoi. Après, je sais pas si ça va être des premiums encore ou pas, ça dépend de mes moyens, on va dire, donc on verra. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, soyez tous la bienvenue. N'hésitez pas à parler sur le chat si jamais. Oui, y a pas de soucis. Ah, ok. Mais toi t'es bien Odin, un des anciens Anunnaki, non? Si je me trompe pas. Hey, salut Pompon, ça va? Ah bah ouais, bah bien de vous retrouver. Hein. Bien, monsieur, en attendant que le procureur revienne à séance élevée, vous pouvez aller vous détendre, on vous repréviendra quand on sera de retour. Ouais, si jamais sortez avec le parapluie parce que dehors, il pleut des cordes. Hein. Vous pouvez rester à l'intérieur si jamais. Si jamais je peux vous ouvrir la porte ici, vous pouvez fumer une cigarette si vous voulez par la porte ici. Hein. Voilà. Vous pouvez fumer une cigarette là dehors si vous voulez. Excusez-moi. Ah, et bien, Hélène, voilà. C'est bon, j'ai fini la clope. J'ai un peu petit souci, moi. Combien? Ouais. Écoutez, tout va mieux. Oula, cette pluie est battante. Ah oui, voilà, un peu décorde. Après délibération entre moi et moi-même, cette vidéo est considérée comme valide, néanmoins valide dans son intégralité. Moi et moi-même. Qui permet d'établir ça va des faits et rien que les faits. Sur la bienvenue à toi, ça va, 4K. Et cette vidéo, on aperçoit bien donc monsieur, je ne sais pas lequel c'est, je vais regarder parce que je comprends tout le monde. Monsieur, je ne sais pas qui c'est, il faut que je regarde de nouveau. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Toi bien. Monsieur ou c'est moi? Non. D'accord, ok, excusez-moi, monsieur. Alors attendez, je reprends la vidéo, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah merde. Oh, oui, on aperçoit donc un des messieurs de la croix. C'est vrai, moi j'ai eu du mal aussi. Physiquement, monsieur Petrenko, si je me souviens. J'ai eu du mal aussi, pourtant je suis en ville, tu vois. Au départ. Monsieur? Ah bah voilà, si c'est ça la vidéo, bah oui, je disais, c'est qu'on voit un des messieurs de la croix, je n'avais pas à reconnaître lequel, agresser physiquement monsieur Petrenko en lui donnant un coup de poing. Oui monsieur, mais attendez. Vous êtes d'accord avec cela messieurs? Permettez-moi juste de vous... T'as les mecs sur les lois quand même, ils ont filmé tout ça. S'il vous plaît messieurs, oui ou non? Oui, bien sûr, mais permettez-moi de vous poser une question. Oui. Quelle partie de la vidéo exploitez-vous en fait? J'exploite la totalité de la vidéo après accord entre moi et moi-même. Moi-même. Je viendrai à privilégier un des deux camps. Et pas ce dont j'ai envie. Donc, nous sommes d'accord que monsieur, un des messieurs de la croix, est-ce que vous pourriez me dire lequel a frappé monsieur Petrenko? C'est moi, monsieur, c'est moi. Si vous voulez, je peux monsieur Gaspard, d'accord. Oui. Il allez, savait monsieur. Ensuite que, je ne sais plus lequel c'est, je pense que c'est monsieur Bolivar qui a été attaché par un des messieurs de la croix. Attendez. Vous confirmez, monsieur Bolivar? C'est moi, au moins attaché. Messieurs de la croix, lequel d'entre vous est-ce? Je n'ai pas envie de re-regarder la vidéo. C'est moi, c'est Paul Edouard. Pardon? Paul Edouard. Paul Edouard, d'accord. Monsieur Paul Edouard, parfait. Deux choses. Ils ont fait des conneries, eux. Et enfin, troisièmement, on voit monsieur Petrenko sortir son arme à l'encontre de vous, messieurs. Car son collègue est menotté et faire usage de son arme sur au moins deux personnes, je crois. Une ou deux personnes, je ne sais pas. Je tiens à dire que c'est ce monsieur Petrenko, si je ne me trompe pas, qui m'a agressé quand je me suis rapproché de la dispute.
Mais si on regarde bien, je me permets, je viens de re-regarder la preuve. Monsieur Fauché, si on regarde bien, les deux hommes se frappent vraiment au même moment. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu de premier... Je vous avoue, je reprends la vidéo. Il va reprendre tout, pas la vidéo, lui. Frapper Monsieur Petrenko, quelques petites dixièmes de seconde peut-être. Je confirme. Mais en premier, je pense que vous confirmez. Mais la personne, ils sont vraiment frappés en même temps. Le temps qu'il arme ses poings, la personne n'a pas pu. Amigo, quand on voit un coup de poing qui t'arrive à la fécule, ma constatation est telle qu'elle est, et Monsieur Lacroix avait bien frappé Monsieur Petrenko en premier. Néanmoins, cela n'explique pas tout. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais connaître, premièrement, vos motivations, monsieur Delacroix, à avoir frappé monsieur Petrenko, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur, regardez bien ma voiture. Vous voyez bien qu'il a craché dessus et qu'il a tapé le feu arrière, quand même. Excusez-moi, monsieur le juge, ça me semble pas facile de se ramener avec une vidéo comme ça et de la faire le montage soi-même. Est-ce qu'il peut ramener depuis le début, ça veut dire depuis qu'on s'est rencontrés, quand on a essayé de discuter avec eux et quand ils ont commencé à nous insulter. Quand vous nous avez frappé, qu'on est parti parce qu'on ne voulait pas faire écoutez, de bagarre. Monsieur, moi je parle et, pas avec parler. Des personnes qui font n'importe quoi. Très, si vous avez apporté une vidéo, vous rapportez la vidéo depuis le début. Vous pouvez demander à n'importe qui. C'est l'histoire pour en finir. Malheureusement, j'ai du mal à constater sur la vidéo vu qu'elles ne sont pas évidentes, messieurs Delacroix. N'est pas parce que votre véhicule a été dégradé physiquement. J'arrive à vous aider à sécuriser. J'ai juste une chose à dire. L'interaction du coup avec ces individus est partie en cacophonie, en bagarre générale, si je puis dire. Vous le concevez bien. Est-ce que cela valait-il le coup d'essayer d'assassiner mon fils en sortant une arme à feu? Et je vous prie de me laisser poursuivre, nous allons y arriver. Moi, j'essaie de me défendre également, hein, parce que je vois qu'ils ont beaucoup la parole, là. Je prends l'ordre chronologique qui me sont présentés par la vidéo. Deuxièmement, on se pose chacun sur une chaise de chaque côté de la porte, là, et on garde un peu. À coup de, je pense, petite languette de plastique, là, je ne sais jamais le nom. Flex. De faire flex, c'est cela, voilà. Monsieur Delacroix, pourquoi avez-vous attaché Monsieur Bolivar? Question de sécurité, forcément, nous on ne veut pas se battre. Attends. Paul-Édouard Delacroix, s'il vous plaît. Oui. C'est, comme on le voit sur la vidéo, il m'a agressé, donc j'ai riposté. Ah bah ça va, on est deux maintenant. Si continue, je vais attacher, effectivement. D'accord. On ne peut plus continuer de le frapper, non, on préfère l'attacher. Je conçois cela. Enfin, Monsieur Petrenko, pour quelle raison avez-vous dégainé votre arme, fait feu sur monsieur Delacroix et menacé des autres membres de sa famille? Mon fils aurait pu y rester quand même, quand j'y repense. C'est l'accusation la plus grave, monsieur Petrenko, donc j'espère que vous aurez une bonne réponse à apporter. Quand j'y repense, Gaspard, tu n'aurais plus de pas être sur ce siège. Hein. Incroyable. Je crois qu'il y a un petit problème dans sa tête, monsieur Petrenko. Ah oui. Est-ce que M. Petrenko va arriver à résoudre ce petit problème dans sa tête? Aucune idée. Pression, je pense. Écoutez, ça risque d'être embêtant. S'il désire garder le silence, il le peut, hein, mais il ne jouera pas en sa faveur, loin de là. Qu'est-ce que c'est que cette porte qui s'ouvre toute seule? Monsieur Sari ou Monsieur Schmitt, pourriez-vous... Oui, voilà. Et de Schmitt, encore. Mais c'est quoi, il y a des fantômes là-dedans, dans ce bâtiment, ou... Écoutez, je ne sais pas, et c'était peut-être un courant d'air. Hein, déjà avant, on a entendu une personne se balader, le temps que vous constatez la vidéo. Pardon ? On a déjà vu avant, et votre collègue, on a entendu une personne se balader et toquer. Oui. Mais personne. Et moi ? D'accord. Bon, c'est bien étrange. D'ailleurs, le monsieur qui était témoin dans l'affaire est parti, tiens. Seigneur. Écoutez, seigneur. Ce qu'on va faire et qui va certainement ravir nos agresseurs, on va terminer, on va donner la raison à nos agresseurs suite à la vidéo. On va terminer. Monsieur le juge, d'accord ?
Je vous ai une condamnation. Ok, bien reçu. Excusez-moi, monsieur, okay. Monsieur Fauché, jouer la victime comme ça, c'est un petit peu simple. Hein. Nous, on a déjà assisté à plusieurs auditions. Je joue pas la victime parce que Ouais, fouille tout. Et fait tuer mon fils, monsieur. Monsieur Petrenko. Vous voulez savoir pourquoi m'avoir tiré sur cette personne? Exactement, oui. Cette personne menacée d'emmener mon ami. Non, il l'a attaché, d'accord? Vous voyez très bien sur vidéo, non? Cette soi-disant vidéo très officielle. Non, non, il a pas menacé du tout. J'ai voulu tirer en l'air, j'ai touché une personne. Et toi, arrête de rigoler. Il a tiré en l'air, il a tiré sur une personne que tu connais dans ou quoi? Au lieu de tenter de contacter la gendarmerie, est juste un acte stupide et complètement répandu. D'ailleurs, en parlant de gendarmerie, excusez-moi. Nous sommes effectivement à se stopper. Monsieur Fauché, une petite seconde. Est-ce que je peux prendre la parole? La gendarmerie dans cette affaire, il y a déjà bien assez de personnes impliquées, messieurs de la. Non, 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 monsieur, c'est très important. Ça fait partie des preuves. C'est écrit dans le dossier, que nous avons contacté. La gendarmerie, on l'a appelé bien avant les faits, bien avant la bagarre. Vous pouvez leur demander dans leur fichier Monsieur Schmitt, de messages reçus. Et son collègue, on les a contactés. Confirmé les dires de Monsieur Delacroix. On les a contactés et on leur a dit qu'on se faisait insulter. Pour moi pas, le contact de la gendarmerie ne permet pas de justifier de vos actions, messieurs. Oui, non, mais je veux dire par là que nous, on ne cherchait pas à ce que ça parte comme ça en agression physique et morale. Nous, on cherchait à ce que la gendarmerie arrive le plus vite possible. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps. Mais sachez que de notre côté, nous, on a fait le nécessaire pour que ça se passe très bien et que la gendarmerie soit sur les lieux. Bon, écoutez, messieurs, de toute façon, il y a eu reconnaissance totale des différents faits. L'ensemble des. Ah, Odin, t'as été. Attends, je vais prendre ton lien. Je déclare donc. Alors, attendez, je vais reprendre les chefs d'accusation, ça sera plus pratique. Envoie-le-moi en MP. Alors, j'ai juste oublié de mettre que M. Petrenko apparemment fait voler son arme. Comme de ça, poing. Je le copie-colle alors. Il y a eu des tirs. Des dommages matériels, le costume de M. Gaspard Delacroix a été abîmé, c'est cela? Oui, voilà. J'ai encore mon même costume. Voilà, mais donne-moi le juste en MP. De toute façon, t'en fais peur. Tu ne resteras pas dans cet état-là, bien sûr. Il va falloir payer l'opération pour ta jambe. Je ne sais pas si ta banne ou éjectée. Écoutez, je condamne M. Delacroix pour agression physique et agression morale. Alors, j'entends par M. Delacroix, je suis désolé, j'ai un petit peu trop. Élargie. C'est monsieur Paul-Édouard qui a frappé les personnes? Non, qui a attaché, monsieur Gaspard qui a frappé. Donc monsieur Gaspard Delacroix pour agression physique et agression morale, ainsi que monsieur Paul-Édouard Delacroix pour les mêmes faits, a la somme de 100 000 euros d'amende à l'encontre qui sont versés en dommages et intérêts aux victimes du préjudice. Que sont M. Petrenko et M. Bolivar, soit 50 000 euros chacun. Objection, au standard. Attends. Pas d'objection à avoir. C'est une peine à aller définitive, messieurs. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous. J'ai vous déjà écouté vos témoignages. Merci, Alex. Très bien, bien, toi, la 4 KPTV. Dommage à intérêt, M. Petrenko. Ensuite, monsieur Petrenko. Et welcome à tous ceux qui viennent de venir. Je retiens contre vous Fabio, Géraud, les chefs d'accusation. Mr. Brolic. Je note alors. Agression physique. Soyez la bienvenue. N'hésitez pas à parler sur le chat. Et tentative d'assassinat à l'encontre de monsieur Gaspard Delacroix, c'est ça? Monsieur. Ainsi que l'ensemble de la famille Delacroix que vous avez pointé d'une arme, tout bêtement. Et ainsi, je préjudice moral, bien sûr. Je vous condamne au versement respectif de 50 000 euros d'amende pour chacun des membres de la famille Delacroix, ce qui annule l'amende d'ailleurs de M. Gaspard. C'est un peu stupide, ça. J'aurais dû y penser, c'est vrai. Donc au versement de 150 000 euros d'amende à M. Barnabé, M. Jean-Charles et M. Paul-Édouard, ainsi... une inscription sur votre casier judiciaire de la tentative d'assassinat. Odin, dis-moi juste si c'est bon, si tu peux encore écrire sur le truc ou pas. Vous pouvez ajouter, les peines sont actées. Très bien.
Donc juste pour petite information, sachez que voilà, j'accepte la peine, il n'y a pas de souci. Mes fils voilà, vont assumer la sentence, hein, ils n'ont pas à se battre depuis tout petit. Je leur inculque les valeurs qu'il faut pour rester noble et ne pas se battre en public. Oh oui. Mais bien sûr, j'aimerais juste savoir un petit peu la différence entre les dégâts physiques que nous, on a pu faire avec nos poings et les dégâts physiques faits à l'arme à feu. J'ai l'impression que l'amende est de même montant. La différence étant que M. Petrenko, au final, devra payer plus de l'amende que vous. Le montant est le même. Et attendez, je n'ai pas terminé. Monsieur Delacroix. Gaspard Delacroix. Monsieur. Avez-vous un certificat médical du médecin qui vous a opéré? Non, monsieur. Il n'est pas encore opéré. D'accord, c'est pas un être blessé. Il n'est pas allé à l'hôpital. J'ai oublié en fait, messieurs. Je suis désolé. Il me semble qu'un des membres de la famille Delacroix a riposté, c'est de la légitime défense. Non, j'ai rien dit. Ouais, Audin. Oui, c'est moi. Écris juste. Oui, monsieur Delacroix, avez-vous eu un temps juste dans de travail donné si tu m'entends. Il n'est pas encore, il a même pas eu le temps de se changer. Je ne sais pas si. Il n'a pas encore pu s'occuper de ça. Monsieur, tu peux de nouveau écrire ou pas? Par contre, faites-le génial en moto, c'est tout possible. Attendez, messieurs. Avez-vous eu un temps d'interruption de temps de travail donné par le médecin, monsieur Gaspard Delacroix? Non, monsieur, je vous l'ai dit, je suis passé à l'hôpital il y a peu de temps, d'ailleurs, avant de passer au QG de la gendarmerie, et je n'ai vu que madame Fontaine. Bon, la blessure est donc relativement bénigne. Bon, heureusement. La blessure a été soignée par madame Fontaine. Maintenant, oui, je pense que... Parfait. Ma foi, il n'y aura donc pas d'obligation de soins. Monsieur le juge, vous ne prenez pas en compte l'arrêt de travail de 40 jours que mon ami et camarade a pris ici, que l'ambulance est venue chercher au concessionnaire et qu'il a emmené jusqu'à l'hôpital. Il y a eu un arrêt de travail de 40 jours. Monsieur Bolivar. Monsieur Petrenko, ici présent, a été emmené à l'hôpital. Il a été en arrêt de travail de 40 jours car il a subi une opération très importante par le directeur de l'hôpital lui-même. Néanmoins, malheureusement, il s'agissait de légitime défense de la part de messieurs Delacroix qui étaient menacés d'une arme, et je ne peux pas les condamner pour cela. Sur ce, la décision est rendue. Monsieur Paul-Édouard Delacroix versera 50 000 euros d'indemnité à monsieur Bolivar, et monsieur Petrenko versera 50 000 euros d'indemnité à messieurs Barnabé, Jean-Charles et Paul-Édouard pour le préjudice subi, sachant que l'amende que devait verser monsieur Petrenko à monsieur Gaspard Delacroix et monsieur Gaspard Delacroix à monsieur Petrenko, les deux amendes sont respectivement annulées. Voilà. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. C'est acté, messieurs Schmitt, messieurs Sarrier. Je vous invite à laisser tout le monde sortir dans le plus grand calme de la salle d'audience. Ok, on y va tranquillement. Le plus proche. Monsieur. C'est bon. Et assurez d'ailleurs que personne ne s'en fout. Monsieur, c'est pas mal à sortir. Ah oui, merci. C'est le seul qui va le recevoir, en fait. Monsieur. Il a dit que ça annulait. T'as pas écouté, Gaspard. Il a pas dit pour Paul Edouard. Ah, excusez-moi, amigo. Les enfants, s'il vous plaît, on salue quand même. Là, on salue le personnel et on salue monsieur Fauchier, s'il vous plaît. Permettez-moi de faire la mission. Ah, oui. Ne vous inquiétez pas. Venez sortir, on parlera du parking encore vite fait. Du très bon travail. Comme ça, on peut. La femme de ménage peut passer ici pour nettoyer. Non, ça pas concernant les panneaux. Nous avons été prononcés, vous connaissez la voix. L'assistant au juge, bien sûr, également. Allez, hein. Bonne journée. Ah, merci, monsieur. Fallait pas. Oh, la famille Delacroix est toujours là pour vous. Ah, mais c'est gentil, monsieur. Au revoir. Oui. Allez, j'espère que vous avez bien salué monsieur Fauché, monsieur le juge. Oh, oui. Et on y va, les enfants. Voilà, c'est pas bonne journée. Hein. Ah, monsieur Fauché, il est parti? Oui, je crois bien que oui. C'est par ici la sortie, monsieur. Allez-y, venez, on discute là où je joue. Monsieur Delacroix. Voilà. Allez les enfants, on le salue comme il se doit, on reste poli jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ah oh oui. Allez, on va leur procéder au versement de l'amende, messieurs. Ah oh oui, bien sûr, oui. Ah, on prendra quel compte là? Prends celui en Bahamas ou celui qui est ici? Edouard, écoutez, on va vous faire un sens. Compte en Bahamas. Et monsieur Petrenko. Je n'ai pas là-dessus parce que j'ai pas vu les gens. Vous voulez voir? Monsieur Fauché, peut-être qu'on peut procéder à. Un paiement plus simple, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un de la famille là, qui doit donner 50 000. Oui. Écoutez, moi, je vais pas prendre ma part. Tu peux ranger ton arme. Comme ça, on n'a pas besoin de 50 000. T'as compris?
C'est valide, ça me va. Écoutez. D'accord, comme ça c'est plus simple. Donc nous, on, là, il y a juste 100 000 de versement de la part de M. Petrenko et ça annule, voilà. Ça me va. Écoutez, voilà, c'est ça. Comme ça, ça va s'apprécier. Monsieur Petrenko, M. Schmitt et M. Depuis que la France est passée en état de vie pirate là, en 2016-2017, il le reste depuis là. Et puis ça, on évite toujours de l'avoir dans les moments comme ça. Moi, je suis pas venu avec un véhicule, mon collègue, oui. De quelque chose. Ah, vous avez besoin d'un véhicule. Effectivement, nous disposons d'un véhicule. Écoutez, monsieur Sarrier et monsieur Petrenko, je vous laisse aller chercher les 100 000 euros. Prenez juste 100 000 euros, du coup, monsieur Petrenko. Bien. Monsieur Petrenko, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Fauché. Du coup, oui, qui voulait me parler? Monsieur Bolivar. Monsieur Bolivar. Oui, si vous désirez, venez. Allez, merci pour votre travail et à très bientôt. Un petit tour à l'argent. Ici, on attend du paiement de monsieur. Nous faisons chauffer le moteur de nos bolides. J'ai un petit truc, moi, les enfants. Oui. Oula. Les enfants, vous n'avez pas oublié de mettre votre casque peut-être là, hein. C'est quand même une archipel rocailleuse. Hein. Ils sont pas partis, mais. Où est mon sac? Une voiture, je crois. Dans la mienne, père. Allez, moi je mets je mets quand même mon casque, je voudrais pas qu'il me tombe un caillou sur l'écran. Hein. Je vous en prie, venez vous abriter un peu. Oh, yo, yo. Restez sous la pluie. Oh, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. C'est juste pour éviter que il y a des gens qui rentrent ou qui sortent qui comme ça n'importe comment, on sait jamais. Même si je pense pas, mais bon, on sait jamais. Vous êtes quelqu'un de prévoyant, c'est bien. Ah oui, hein. Il faut rester prévoyant dans la vie. Je vais aller remettre mon chapeau, moi. Je reviens. Ok. En tout cas. Bonne séance au tribunal, même si voilà. Paul Edouard, tu vas être tu vas être la voiture de tête. Après, père sera la voiture de milieu et moi je serai la voiture qui est derrière. Ils sont marrants, la famille de la Croix là, ils sont marrants quand même. Oui. Je suis derrière alors. Attends, en tout cas, du belle voiture quand même, hein. Putain. Oui, la famille de la Croix, toujours des bobolides, hein, oui. Ah putain. Vous pouvez faire un petit tour avec mon véhicule, je vous l'ouvre. Ah non, c'est bon, je peux. Peut-être quand je serai pas en service, une fois, oui, pourquoi pas. Ben, tenez ma carte, vous m'envoyez un message et quand vous ne serez point en service, je vous laisserai essayer mon véhicule. Ah, ça marche, merci monsieur, je vous tiendrai au. Peut-être partager une pièce si vous le souhaitez. Oui, y a pas de souci, mais on tiendra au jus. Si je suis pas en patrouille, hein. Enfin en service, quoi. Bien sûr. Non, ils sont pas encore revenus, mais les cordes sont revenues là qui tombent. Hein. Putain. Oui. Ah, punaise. Les autres, allez vous abriter. Mais je vais vous abriter dans ma voiture. Bon, sans bois. Ah bon, véhicule. D'ailleurs, ma voiture, ça va être une vraie piscine. J'ai oublié de mettre le toit là. Oui, donc pas super. Non. Oui, père. Non, je comprends pas. Hein. Ah non, mais de la voiture. Tout se passe bien. Ah si, affirmatif, on est de retour. Hein. Ah, vous arrivez là. Je comprends pas pourquoi je suis là. Dans 3, 2, 1. Ah, c'est en marche, hein. Je vais essayer de repérer le volant. Hein. Ah, c'est pas grave. Hein. Et voilà, il est de retour. Bon, de toute façon, on partagera. On va la reprendre, mon frère. Moi, tiens. Je donne pas l'argent à ces personnes là, qui utilisent des preuves bidons là. Hein, un intermédiaire. Voilà. Ah, tenez, voilà. Si du coup, il y a 5. Ouais, c'est bizarre, des personnes qui ont des drones et tout, ouais. Paul Edouard. Ah d'accord, c'est moi qui dois payer pour Paco.
Ah non, mais oui. Oh, c'est quoi ce délire? Aujourd'hui, j'étais en plein rush, j'étais aux frites et j'ai pas réussi à faire correctement ma croix d'avant. Une d'accord, de la croix, ouais, on s'en fout de tes frites, allez, casse-toi avant. Toi et tes frites. Pourquoi la famille de la croix doit 50 000 euros à monsieur Bolivar? Afin de simplifier les transactions, vous devez du coup que 100 000 euros au de la croix et il y a 50 000 qui partent de ce volet. Ça revient exactement au même, hein, monsieur Petronco. Oh, d'accord, d'accord. Par contre, là, les de la croix, combien ça coûte un drone? C'est très bizarre quand même, hein, comme technologie. Hein. C'est de merde. C'est trop cher pour vous, monsieur. Ouais, c'est ce que tu crois. Ouais. Les enfants, s'il vous plaît, les enfants, on reste respectueux, on ne parle plus de cette histoire. Là, le juge a tranché, maintenant on va recevoir le dédommagement et c'est tout. On ne va pas remettre en cause la justice. Hein. Eh oui, oui. On avait, attendez, je vais écarter la voiture pour un petit peu plus de bouger. Pardon, monsieur Petrenko, je ne vais pas vous laisser. Pose-toi. Attention derrière le véhicule. Camarade. Il est furieux. Monsieur, mettez vous de côté, attention, il va juste reculer ou garer ou. Ah, c'est bon. Écoutez, tout est réglé. C'est bon, l'argent a été donné? L'argent a été distribué à monsieur Paul-Édouard et à monsieur Jean-Charles. Ah, d'accord. Donc voilà, l'ensemble des affaires sont réglées. On escorte. Je vous remercie, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Peut-être de vous mettre au milieu, toi. Bonne journée, messieurs. Allez, passez. Bon, ben, passe, voilà. Voilà. Oula! J'ai cru que vous aviez écrasé. Non, non. Mais c'est pas grave, amigo. C'est deux personnes mal intentionnées. Ils ont ramené des fabrications de drones, amigo. C'est pas grave. C'est une affaire qui roule, comme on dit. Je sais pas dans quel film j'ai tiré ça, mais c'est une belle phrase, je trouve. C'est une affaire qui roule. Très joli, en effet, très joli. Merci pour votre présence, monsieur. Oui. Ah, bah, du rien. Je sais que ce n'est pas dans mes attributions, mais juste par rapport à une curiosité personnelle. Oui. L'occasion de parler avec monsieur Petrenko quand on allait chercher l'argent. C'est fait. Et il m'a dit qu'apparemment, il y avait une des technologies de type drone qui avait été utilisée pour les vidéos. J'ai vu. Et... Mais en fait, le fait est que cette vidéo, normalement, je voulais l'utiliser partiellement. C'est-à-dire, non pas la partie drone de la vidéo, mais la partie qui est, comment dire... attaché au torse. Téléphone c'est portable, ça. C'est cela. Oui. Néanmoins, si j'utilise uniquement cette partie, cela allait en défaveur de M. Petrenko, en défaveur totale. Donc, j'ai préféré utiliser la totalité de la vidéo afin d'avoir une espèce d'équité et de pouvoir rendre la justice. Si j'avais décidé d'ignorer la vidéo, ça aurait été encore plus compliqué de pouvoir rendre un jugement. Donc, D'ailleurs, M. Fauché... Je l'ai fait en mon âme et conscience en priant très fort et en demandant l'avis des dieux sur cette question. D'ailleurs, M. Fauché, moi, je suis équipé d'une GoPro sur mon torse, hein, si jamais... Il y a de toute façon tout qui est passé aussi dessus, hein, si jamais. Ouais, bon, vous, en tant que gendarme, hein, c'est normal. Vous avez des caméras de service qui peuvent être utilisées... Moi, je suis un des seuls qui la porte, je crois. Non, mais c'est pour ça que je... Monsieur Sarri, ça dépendra également des cas, j'ai envie de vous dire. Je vous avoue que c'est mon premier cas dans cette affaire. Si les vidéos de type drone ont tendance à être trop présentes, elles ne seront plus utilisables dans les tribunaux. Enfin. Excusez-moi, Schmitt, tu peux... Radio, là, il ne faut pas abuser de ces choses-là. Ouais. J'essaye de rester juste, mais je voulais une condamnation juste qui ne soit pas trop en défaveur de M. Petrenko et surtout de M. Bolivar. Donc, d'accord, oui, parce que M. Petrenko était assez frustré de voir ça. Je comprends. C'est pour ça si je n'avais pas utilisé la totalité de la vidéo, il est fort possible que M. Petrenko lui a versé des dommages et intérêts à M. Delacroix sans aucune compensation pour M. Bolivar qui a aussi Patrick, été. Patrick, bonsoir. Affirme, je vous renseigne. On ne savait pas les justices. Je voulais juste faire une petite curiosité personnelle là-dessus. Ouais, tu peux rappeler, je ne devais pas me le permettre. Mais... Que cela reste entre nous. Vu la chose et vu la vidéo utilisée. Ouais, du coup, pour information, je comptais aller sur Georgetown pour faire quelques contrôles
d'identité si ou routière. Vas-y, on te rejoint. J'ai dit que normalement ça devait être noté, mais d'accord, vous avez besoin d'aide, vous m'appelez, j'arrive. Vu que la vidéo était quand même un petit peu bizarre, borderline exactement, et je préférais avoir un avis complet de l'ensemble des dieux sur ce sujet-là que nous reverrons. Ben oui, voilà. Après, il ne faut pas en abuser, je pense, de la caméra. Je vous remercie. Enfin, du drone, quoi. Aucun problème, c'est notre travail, hein, monsieur. Et voilà. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'appels pendant votre présence. Oh, non. Non, on a eu un appel pour apparemment des coups de feu, mais la personne qui les a passés est une personne qui nous a déjà fait plusieurs appels similaires pour des courses, etc., frauduleux. D'accord. Moi, j'avais de toute façon enlevé mon bip, j'ai mis mon bip sur silencieux et j'ai dit que j'étais au palais de justice, donc moi, j'ai pas capté les appels. Vous avez bien raison. Moi, je suis arrivé sur la fin, c'est vers là qu'il y a eu l'appel, mais non seulement j'allais pas y aller tout seul et on ne pouvait pas vous laisser, donc... Comme la personne était du genre à... Comme le numéro de l'appelant était... Salut Pototeicho, sur la bienvenue. Écoutez, messieurs, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous remercie pour votre présence. Rien, monsieur. Merci à vous pour la justice rendue. Au plaisir de vous revoir, hein, écoutez. Ah oui, hein. En tout cas, il est beau le palais de justice. Non, vu que mon collègue, il est là, c'est bon. Gentil membre déposé, vu qu'il est fort sympathique. Voilà. Oui, plaisir, messieurs. Je vais vous rouvrir le portail tout de même pour que vous puissiez sortir. Oui, ça va. Merci. Les messieurs, à bientôt. Hein. À bientôt. À bientôt, oui. Attends, il faut. À bientôt. Vas-y, monte. J'aimerais bien, attends. Voilà. Allez-y. Bah, il est à Georgetown, notre collègue. Dis, monsieur Torres. Allez-y, on recule, excusez-moi. Bah. Allez-y, ce sera plus simple pour vous. Permettra de nous aussi d'avoir plus de place pour faire la manœuvre. Il est sur Georgetown, il commence à faire des contrôles. Déjà, je lui ai dit d'y aller, on le rejoint. Ah, vous inquiétez pas, on va fermer, vous inquiétez pas. Vous en faites pas. Bon, bah, merci bien, monsieur Fauché. Merci bien. Au plaisir de vous revoir. Hein. Allez, au plaisir. Hein. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Hein. Ah, quelle journée aujourd'hui. Oh. J'ai fait que ça. Oula. J'ai un peu mal à la tête, moi. Hein. Je sais pas si toi aussi ou pas. Non, moi ça va. Oh, voilà, j'ai un peu mal à la tête là. Oh putain. C'est de la pluie? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'avais pas mal à la tête jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'ai mal à la tête. Ah, maintenant, ça va nous un tout petit peu mieux là. Ah. Un tout petit peu mieux. Enfin, vite fait dit, hein. Tu roules peut-être trop vite. Oulala. Oula, il y a un arbre qui est couché. Je suis désolé, t'as commencé à me provoquer, j'ai passé la sixième. Hein. Ah non, allez, du mal à la tête, oh wow. La sixième. Voilà, là on a la sixième de passer là. Oh putain, là, je ne vois plus rien moi là. Hein. Mes jeux sont bloqués. Hein. Oula. Oula. Ben là, je suis vraiment... Je suis vraiment perdu, hein. Putain, mais c'est quoi, j'étais où, là? On est où, là? Ah oui. Putain, ah, là, je suis perdu, tout doucement. Je suis mis dans un chemin privé pour pouvoir nous arrêter. Comme ça, hop. Je regarde où est le con, hein. Ah, mais là, ça va, t'as vu? Tu roules pas, ça va. Non, mais je me suis arrêté pour tailler un peu mieux. Je vais prendre un Doliprane, n'empêche. Il est où? Il a dit il est dans Georgetown, donc... On arrive sur ta position. Hein. Je sais pas s'ils m'ont entendu. Alors, ou pas. Radio? Ouais. Je t'ai pas entendu. Attends, je redis. Oh, mais si avec ce mal de crâne, je peux pas parler correctement. J'ai fait chier. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai mal au crâne comme ça? Ouais, on arrive sur ta position. T'es où exactement? Ouais, je suis sur le concessionnaire de Georgetown. Voilà, t'as ta réponse, où est-ce qu'il est? Ah, mais je savais où j'étais, je l'ai vu sur la carte, sur le GPS. Ah bah désolé, moi mon cerveau il marche à deux à l'heure là. Hein.
Ah, mais là-bas, il est. Enfin, là-bas. Bon, il n'y a pas grand monde. Hein. Je vais contrôler monsieur, là. Négatif, regarde-toi et monte. Ah, attendez, j'arrive. Oh là là. Ah, je la mets en fourrière. Oh, putain, mais c'est quoi cette merde? Ouais, mais c'est quoi ce bordel là? La pluie peut-être. Ah, je sais pas, mais. Pouf. Ouais, là, y'a plus rien qui répond là ou ça se passe comment là? Putain, mais c'est quoi ce délire? Sérieux, mais je sais pas si c'est Serge ou si c'est moi ou si. Bonjour. Station service, peut-être là. Pour mon cousin. Allez, la fourche, on va voir comment tu te débrouilles. Bonjour, monsieur gendarmerie nationale. Bonjour. On va sortir du véhicule, s'il vous plaît, procéder à un petit contrôle. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Putain, mais pourquoi certains, on va se mettre sur le trottoir. Comme d'habitude, identité, tu vérifies la plaque et une petite remontrance pour le demi-tour là qu'il a fait n'importe comment. Putain, mais oh. S'il l'a pas sur lui, tu l'emmènes, tu lui dis d'aller à la préfecture et on l'attend là. Merci beaucoup. C'est ma manière d'aller mieux. C'est ma manière d'aller mieux. Votre plaque d'immatriculation avec la carte grise du véhicule. Vous l'auriez, la carte grise du véhicule? Ah, oui, oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui. C'est dans la boîte à gants. La boîte à gants, d'accord. Oui. Vous pouvez me la sortir? Je vais vérifier en attendant. Hop, voilà. Ouais, Jacqueline, tu me reçois? Ouais, salut. Ah, en fait, ouais, c'est pas dans la boîte à gants. Ouais, non, mais attends, je suis en contrôle, tu me feras ça tout à l'heure. Bon, du coup, alors je recherche l'identité du propriétaire d'un véhicule Golf blanc, matriculé 777, unité Alpha. C'est pour apprendre à changer bientôt les pneus du véhicule. Je l'ai oublié, je crois que je l'ai oublié. D'accord, bon, bah, c'est pas bien grave, j'ai pu l'identifier via le central. Hein. Merci. Non, c'est bien grave. Il faudra bientôt songer à changer les pneus du véhicule. Parce que ils sont un tout petit peu lisses quand même. Oui, je viens de l'acheter il y a peut-être 20 minutes la voiture. Ah oui, mais je crois qu'il vous a arnaqué le garage tout à l'heure. Regardez, ils sont un peu lisses sur au flanc intérieur. Mettez la main dedans et touchez un peu, vous voyez? Vous sentez? Ah oui. Ouais, surtout depuis comme ça, vous risquez de. Ah voilà, vous risquez de glisser avec le pneu et. Voilà. Oui. Mais je crois que j'ai un pneu dans le coffre. Regardez. Bon, après, c'est pas la peine de mettre une roue de secours, enfin de mettre. Ouais, la roue de secours, elle n'est pas à rester dessus, il faut changer les pneus. Qui vous change les pneus, la roue, c'est un truc que vous changez. J'ai pas demandé ça, je vais demander le remboursement, moi, c'est parce que là. Vous voyez avec votre garagiste. Bon, toujours est-il que vous savez pourquoi on vous a contrôlé? Non. Est-ce que vous avez vu la manœuvre que vous avez réalisée là en sortant de votre parking? J'ai fait une marche arrière, mais... D'accord, oui, alors vous avez fait une marche arrière quand même sur une bonne quinzaine de mètres, en plein milieu d'une rue. Bon, là, ça allait qu'il n'y avait pas eu énormément de trafic. Mais bon, il faut faire attention à ces manœuvres. Surtout en plein milieu d'un croisement. Faire un demi-tour en plein milieu d'un croisement... C'est assez dangereux, hein. Il y aurait eu un véhicule qui venait de la droite, ça aurait posé souci, voilà. Donc bon, pour ce coup, je vous dis rien, mais par contre, faites attention quand vous faites circuler, monsieur. C'est beaucoup en tout cas. Vous pouvez y aller en tout cas. Merci. Bonne journée. Faites attention sur la route. À vous aussi. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir. Hop là. Vite. Et c'est parti. Tiens, t'avais vu ce détail, tu l'avais pas fait attention, hein. Les pneus. De quoi, les pneus? Ouais, je peux faire gaffe. Avec la pluie, moi je me suis dit, je vais vérifier les pneus, ça peut glisser, vous voyez. Donc, ouais, bah ouais, t'as pas tort. Ah ouais, c'est dangereux sur la route comme ça. Ah bah c'est clair.
Alors vite faire un aquaplaning, ça va vite. Bon, ici aussi, j'aurais dû mettre, je pourrais verbaliser un truc là. Il est un peu con là, il est un peu con l'architecte. Il a mis un panneau ne pas entrer sur une sortie. Ah ben oui, mais quand même, tu respectes pas le panneau là. Hein. Mais il s'est trompé, il devait le mettre dans l'autre sens. Ah, à mon avis, ils ont voulu mettre un stop ou autre chose. Mais... sur des portugais, voilà le problème quand tu confies du travail à des portugais. Voilà, bon, c'est pas des portugais. Ah mais tu savais tout de suite pourquoi je disais ça. Hein. T'as tout de suite tilté pourquoi hein. Les Portugais font mieux leur travail, après c'est les Turcs ou autres, alors là ça se passe beaucoup moins bien. Oula, toi t'es raciste, jour... hein. Non, je suis pas raciste. Par contre, je les apprécie pas forcément quand ils font de la merde. Exemple, j'avais fait construire ma maison à l'époque, c'était sur Cassis. Au début, j'ai dit bon, des Turcs parce que c'est moins cher que les Portugais. Le mur, il était pas droit quoi. Il y avait un écart de plus d'un mètre cinquante entre le premier coin du mur et le second coin. Donc du coup, bah, j'ai dû tout faire démolir et j'ai rappelé des Portugais. Les Portugais, en 2 heures, c'était fait. Ah bon ? Ah bon, ah bon. Oh, une Bentley. Pareil, une Bentley ? Ouais, il y a une Bentley là-bas. Là. Ouais, il y a au croisement. Enfin, au côté du passage, ouais. Putain, moi je suis venu ici sur cette île parce qu'il y avait du soleil, mais putain, pourquoi il fait comme ouais, ça là. Ah ouais, ça pardonne pas, là. C'est sûr que ça change de Marseille. Ah mais je viens pas de Marseille moi. Hein. Tu viens d'où toi? Moi je suis franco-allemand et je viens de l'Alsace. Ah oui comme tu le connais peut-être Schmitt, il y a un autre Schmitt dans la gendarmerie. Ah il y a pas lui, c'est j'aime pas lui là, il est con ce mec, je l'aime pas. Pourquoi? Non il est con, il a copié mon nom de famille là, il dit mon frère ou mon cousin, je sais pas trop mais c'est pas moi, c'est pas de la famille. Hein. Dis tout de suite hein. D'accord, en tout cas il conduit bien. Ah bon ouais. Ah, bon, hier. J'ai pris mon service, 30 secondes après, j'étais déjà en train de me bander de tous les côtés. Parce que lui il, était il roulait avec. Hein. Ça, c'est une Bentley. Hein. Ah, quoi que non, celle-là, non, j'ai pas vu. C'est une BM, je crois. Ouais, ça, c'est une BM. Enfin, après, par contre, là, tout à l'heure, je suis monté avec. C'est ce coup, là, je sais pas quoi. Alors lui, il a dû au moins, j'ai dû au moins user 40 bandages avec lui. Ah bah ça. Mais si. J'ai pas vite lui. Mais c'était, je crois, le. Monsieur Fauché. Je me trompe pas. Monsieur Fauché. Selon la voix que j'ai pu entendre avec la fenêtre ouverte, oui. Je crois. Et le ministre, ouais. Lui, il pourrait pas être ministre de l'économie, monsieur Fauché. Ah, quel jeu de mots. Elle était marrante, celle-là. Ah bah oui. Non, bah tiens, je suis Fauché, moi aussi. Hein. Bon, alors ils sont partis tous de Georgetown, ils sont tous à La Rochelle, ou comment ça se passe? Oui, ça commence à devenir calme, hein, tout doucement. On dit qu'ils sont tous partis du serveur, je sais pas si ils sont encore en ligne. Par rapport au contrôle, ça allait ou il y avait des gros points noirs, si ce n'est les pneus? Mal. Ça va. Bah, je pensais que c'était pas bien. Ah, oh non, ça va. Il y a un distributeur près de la. Il n'y a pas la. Ouais, à la limite, il aurait fallu qu'on s'arrête au marché. Il faudrait que j'aille m'acheter à bouffer, à boire. Au marché? Ouais, bah, là où était garé le camion. Ah bon? Ouais, bah ouais, t'as tout dedans. Ça fait une petite épicerie, quoi. Ah, je sais pas si on peut acheter là-bas, nous. Ah, bonne question, je sais pas. Je pense que oui, après. Je sais pas. J'ai jamais essayé. Ah, moi non plus. Bon, en tout cas, quel temps de merde. Oui, ça c'est sûr. Le monsieur avec sa golf blanche. Ben, garde-toi là, je vais aller voir en face. Ok. Ouvre la voiture. Bonjour monsieur là. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, c'est vous, monsieur. Alors, c'est bon, vous avez fini de taper sur les gens?
Quoi? Vous avez fini de taper sur les jambes? Oh là là, si vous savez là. Dis donc, qu'est-ce que vous faites de beau là? Vous êtes en patrouille? Oui. Vous êtes tout seul? Non, mais mes collègues là dans la voiture. Ah bonjour! Ah bonjour! Attendez, je reviens dans un instant, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, vous allez bien? Pas vous qu'on trouvait sexy là, qu'on voulait vous coller là, comme ça là, qu'on collait, là, coller. Vous, qu'on voulait coller, bon, bah non, ça, c'est hein? Pas bon. Vous avez dit quoi là? Vous avez quoi? Vous, comme problème? Venez, on va se coller si vous voulez là. Se coller? Ah, non merci, je pourrais me coller à vous, monsieur. Ah non? Venez, monsieur, touchez-moi là. Ah! Collez-moi. Eh oh! Eh, attends, je referme la vitre! Dites-moi, monsieur, pourquoi vous mettez un casque de moto, c'est pas dissimuler votre visage ou c'est pour faire collègue, je crois qu'il y a un problème, lui. Il veut me coller. Bah écoutez, monsieur, bon, nous, on va y aller. Hein. On vous souhaite une bonne journée. Hein. Avec... Et monsieur, collez mon collègue là-dehors, lui, peut-être qu'il a envie, oui, hein, pas oui, moi. Ah, non. Collez-moi. Oh, la voiture, là, colle-moi la voiture, là. Ah, il va tomber. Putain, c'est quoi ce mec? Je sais pas, non, mais déjà tout à l'heure on l'a demandé là avec c'est Soko là pour. Il a des problèmes lui ou quoi? Oh, il était en train de frapper son patron parce qu'il le payait pas assez ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, ah bon une affaire de fou. Ah ouais. Il y a un mec qui s'est pointé de son entreprise, il a commencé à le tabasser, à l'insulter alors qu'en fait parce qu'il croyait que c'était un braqueur ou je ne sais quoi. Enfin bon. Oh putain! C'est une histoire de cassos hein, plutôt. Hein. Oh là. Ah putain! Pouf! Oh, on avait au moins passé une demi-heure dessus là, c'était au truc de Charmont là, justement, il y a eu plein d'appels tout à l'heure. Mais moi j'ai un petit pressentiment, on aurait peut-être monté en bagnole vers La Rochelle. Peut-être ouais, par contre, si ça vous dérange pas de passer juste du coup à. Ouais. À... Oh. Oh non. Non. Vu les positions de l'appel, non merci. Bon, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, ça serait donc... Ah mais tu t'en occupes toi alors, hein, tu t'en occupes de le coller. Ouais, ben je vais essayer de voir, de toute façon c'est notre travail. Bah après, notre travail... Oui, enfin bon. On n'est pas médecin, hein. Enfin bon, on doit quand même aider les personnes en danger. Oh là, un peu plus, et un tout petit peu à gauche, il aurait fait tout exploser. Après avoir tapé sur des gens, vous tapez sur les stations-service. T'es pas obligé de me voyer, Fouchette, hein. On se connaît, hein. Ouais, bon, attends. Aide-moi, Fouchette, montre-moi. Et surtout, sortez pas. Hein. Non, sortez pas, bande de flemmards. Dis donc, toi, tu vas parler autrement, par contre. Bah écoute, je dis simplement la vérité. On n'a pas le droit de dire la vérité en démocratie. Mais non, c'est dans la limite du racisme. Quand un mot comme ça, c'est l'outrageage. Déjà que tout à l'heure, c'était limite. Hein. Ah bon? Oui, on n'a pas parlé des nuisances sonores causées par le klaxon répétitif avec le camion. C'était pas moi, ça, c'était monsieur Fouki. Hein. Oui, enfin bon, après, peu importe. Bah non, c'est pas peu importe, c'était monsieur Fouki, c'était pas moi, pour moi. Bref. Ça troll un peu, j'ai l'impression. Oh, monsieur, vous allez bien? Ah, c'est bon, vous êtes pas blessé? Non, vous êtes pas blessé. Bon, bah, on va vous laisser dans ce cas-là. On va y aller, alors. Vous n'avez pas de plat apparente, passez à l'hôpital si vous avez besoin, et bonne journée. Hein. Au revoir, vous voulez que je vous indique la sortie? La sortie, c'est là-bas. Ouais. Oh, c'est un cas, ce mec. C'est vraiment un cas. Là, c'est... Il vient de dire quoi? Je sais pas, non mais c'est un cas ce mec, enfin, franchement. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est marrant là, la marée basse. Ah ouais, la vache, c'est impressionnant. Oui, la marée basse. J'ai jamais vu la mer à la barre. Bah ouais, regarde, il n'y a plus d'eau dans le cours d'eau là. Si on va sur le littoral, bah attends, va vers l'hôpital à la limite, peut-être, je sais pas. Même non, putain, mais ouais, il est passé où? Ouais, il n'y a plus d'eau. Ah, il y a peut-être un éléphant, tu vois, qui l'a aspiré. Ah, mais putain, il y a tout l'eau qui est partie. Oh putain. Mais c'est fou, ça. Oh, on roule dans le bon sens, là. Je crois qu'il a chauffé Lucas, là, je crois. Hein. Ouais, voilà. Non, mais là, je crois qu'il fout de la gueule du monde, un petit peu.
Elle est en la droite. Hein. Je crois qu'ils cherchent vraiment leur merde. Hein. Rangez-vous sur le côté, monsieur. Mais... Oui, ça doit être quoi, ça? Voilà, c'est, pour c'est pour éviter qu'il aille le chercher, je me mets devant lui. Éviter qu'il soit tenté de partir. Bon, yep. On le fait à deux, hein, parce que moi, c'est bon, j'en ai marre d'être tout seul face à lui. Bon, on y va à trois. Bon, monsieur. Quoi encore, le souci? Alors, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Je veux quoi encore? J'ai démarré. Alors, vous faites du contresens? Mais j'étais en train de... encore klaxonner. J'étais en train de démarrer. Ah bah oui, mais du contresens, c'est vous klaxonner. Au bon endroit. Hein. Mais vous m'avez klaxonné aussi. Je vous klaxonne. Parce que vous roulez à contresens, oui. Mais je sortais de la station essence. Baisse un ton. Puis je m'en mêle pas vraiment, justement, dans le sens que... Mais vous sortez pas comme ça, là. Voilà, quoi. Excusez-moi, il pleut, hein. Il troll un peu, après je sais qui c'est, donc voilà. Vous remettez pas votre casque. Hein. Il pleut. Allez, vous m'enlevez ce casque, dépêchez-vous. Parce que nous, on est obligé de mettre un casque. Non, on met un couvre-chef, hein, d'accord. Mais au moins, ça ne couvre pas tout le visage. Vous voyez notre visage, d'accord. Bon. Voilà, c'est déjà mieux. Du coup, bon. D'accord. Oh, aurez-vous une petite... Allez, l'amende pour conduite dangereuse. Oui. Monsieur... Ouais, détendez-vous, sinon ça va être l'outrage. Mais monsieur, vous avez remarqué que vous avez plus de pare-brise. Mais oui, j'allais l'emmener au garagiste. Mais bon, vous me courez. Bah écoutez, il faut appeler une dépanneuse hein, quand c'est. Ah bah oui, vous voyez l'état de votre véhicule quand même. Je pense qu'on va être contraint d'appeler une dépanneuse. Hein. Mais non. Là, on peut pas vous laisser rouler avec un. Il n'y a même plus de vitre, même la vitre arrière, elle est toute cassée. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui connais un peu la mécanique? Ah, mais putain. Et tes pneus. Oh putain, les pneus. Oh putain. Et tes pneus, ils sont lisses. Ils sont lisses de chez lisses, tes pneus. Vous avez vu, c'est Michelin. Ah bah putain, oui, c'est bien, oh là, ils sont lisses, hein. Oh, ils sont lisses, ah ouais. Bon, mettez-lui son amende. Mais quelle amende? La petite amende pour conduite dangereuse, bon, là. Mais comment il démarre, c'est bon. Non, mais fourchette, tu sais très bien, je sortais... Ouais, mets tes mains sur la tête, s'il te plaît. Mais je sortais de la... Vous sortez de la station? Monsieur, mettez les mains sur la tête. C'est pas comme ça, vous êtes sorti à contresens. Vous êtes sorti à contresens et vous n'avez pas pris. Oui, mais vous n'avez pas pris. Monsieur, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on y retourne vraiment et qu'on vous montre comment ça fonctionne les entrées et les sorties sur une station-service comme ça? Franchement, oui. On va pas le faire, mettez-lui son amende. Ok. Bah non, moi je... Si vous refusez ces refus d'obtempérer, on vous embarque au poste, on vous met en garde à vue. Ah ouais, carrément. Et ça sera prévu sur votre compte par le gouvernement, avec comparution immédiate devant le... Donc mettez vos mains sur la tête, monsieur. Ah ouais. Merci bien. Hop. Oh, attendez. Ah, donc, monsieur. Je vous présente ma carte, hein, comme ça vous pouvez m'identifier. Oh, c'est bon, franchement, je te connais. Hein. Et oh, sinon je change tout le trajet à genre. Okay. Rigolez pas comme ça, c'est... Je rigole pas, c'est un rire nerveux. Ah bah vous calmez vos nerfs. D'accord, très bien. Je le fais, monsieur Lafourche. Voilà. Alors du coup, si je reprends... Donc on a dit conduite dangereuse. Lucas, tu peux venir 30 secondes. Donc on va vous retirer votre permis de conduire aussi. Non mais oh, mais pour... C'est ce que prévoit la loi. On fait quoi de ton véhicule là qui est complètement démoli et... Fourrière. On fait fourrière. Attends, on va lui vraiment, dire. Vraiment démoli, on dégage. Son véhicule, on peut le mettre en fourrière aussi. Hein. Et votre véhicule, on va le mettre en fourrière. Hein, oui, bah, mets-le en fourrière, si tu veux. Ramène-le même dans ton... Et rajoute-lui un outrage à agent, j'ai pas la rien pas. Outrage à agent, c'est bon, ça commence à me gonfler. Oh, c'est quoi cette histoire? Allez, mettez-le x2 si vous voulez. Bah, x2, t'es sûr? Allez, bah, s'il demande, mettez-lui x2. Oui. Ah bon, on va mettre x2, donc ça fait 8000. Plus l'outrage à agent. Alors attends, l'outrage à agent, on va bien le trouver. L'outrage à agent, normalement c'est une garde vue, hein, attention. Donc ça fait donc 20 000 plus 8 000, ça fait 28 000 plus retrait du permis de conduire. Vous voulez la mise en fourrière du véhicule aussi? Bon. Je vais appeler Michou s'il est disponible au fait, ouais, pour chercher le véhicule au cas où. C'est vrai que le véhicule est pas en état. Bon après. J'allais l'emmener au garagiste.
Et Michou, en fait, si jamais on a besoin de toi, t'es dispo. Allez, le problème, monsieur, en fait, c'est que si on vous laissez repartir comme ça, que vous vous plantez et que vous mourrez, bah là, on est responsable de. Ouais, ça marche. Bah, on te prévient si jamais on a besoin. Non, mais je repars. Okay, ça marche. J'appelle le dépanneur, c'est bon. Oh, pas besoin d'appeler vous-même. Bah, alors, Michou, attendez. Est disponible au cas où. Non, mais c'est bon, non. Je vais appeler mon Michou à moi. Ouais, mais est-ce qu'il est agréé votre Michou à vous? Ah bah oui, il s'appelle même de Saint-Paul. Mais lui son amende là. Ouais, bah c'est ce que je suis en train de faire. Hop. Alors du coup, alors juste une question, c'est dans le listing des rapports ou alors... Ah non, non, mais non, c'est pas ça. Mince. Bah non, c'est dans le listing des amendes, c'est ça, non? Ah, listing des rapports, tu lui mets. Listing des rapports. Tu fais ça dans les rapports et puis tu prends, ouais, je prends un les amendes marquées dans le listing des amendes et puis tu tapes tout ça dans le rapport. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Hop là. Donc, je vais reprendre un qui est déjà fait. Donc, le rapport. Toc, 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 toc. Le 27 octobre 2036. Vous avez dit 26. Ah, tu casses ses mains. Il nous a bien trollé quand même. Mais bon. Dommage pour lui, enfin, c'est pour ça que je m'en occupe pas exprès. C'est quoi, je le connais assez bien, c'est pour ça que je m'en occupe pas vraiment, donc voilà. Je le connais par cœur. De toute façon, tu me connais, hein. Patrick. Ouais. Elle a arrêté de le tutoyer par contre. Excusez-moi, parce que je monsieur, vous ai excusez-moi, côtoyé monsieur que l'agent. Je suis votre ami. Donc, excusez-moi, mais messieurs les agents. Donc flagrant délit, raison, conduite dangereuse. Lui déjà l'amende, tu rédigeras le rapport en voiture après. Attends, je note juste ça, voilà. Hop, donc ça fait une amende à 28 000 euros. Hop là. 28 000 ouais. Alors par contre, ouais, donc du coup, j'utilise l'outil verbalisé. Hmm. Vous avez reçu quelque chose pour signer ça ou pas? Bah, faudrait tu lui donnes la tablette. Tu lui donnes la tablette pour qu'il puisse la signer. Ah oui, mais attends, c'est attends. Attends, attends, attends. Monsieur à droite, vous êtes très charmant. À droite, ah, mais c'est monsieur Sarri que vous parlez. Non, c'est à vous. Ah non, non, c'est pas moi. Moi, non, je suis pas charmant, moi. Je suis tout moche. Bah. Personne me veut, moi. Ça voilà. Tombe bien. Voilà, mais là, je suis à votre gauche. Ouais, si vous voulez, ouais. Allez très vite vous calmer. Excusez-moi alors. Bon, vous avez pu lui mettre l'amende? Ah, c'est bon, moi j'ai payé, hein, normalement. Bon, ouais, d'accord, bon, bah, je vous retire quand même le permis, hein, monsieur. Bon, de toute façon, je vais appeler mon dépanneur personnel. Ah, tac. Avez-vous au moins une bouteille d'eau et un bacon tactique? Non. Dommage. C'est le permis de plonger? Bah, vous croyez quoi? Vous croyez quoi, moi? Pas alors, du plan. Coup, juste une question, retirer le permis, comment ça fonctionne? Un fichier informatique? Oh, tu lui mets pas en valeur, si on lui met pas. Bon, bah, alors, vous avez de la chance. Le monsieur là-haut, là, je l'aime. Ouais, non, je veux pas les malins. Tombe bien, je veux pas que vous m'aimiez. Bon. Ouais, hey, monsieur, hop, vous tournez dans votre voiture et estimez-vous heureux qu'on la mette en fourrière. Par contre, est-ce que vous auriez de l'eau là? Parce que là, je commence à être. Oula! Ah non, mais c'est bon, non, j'en ai, pardon. C'est. Par j'ai contre, à bouffer, je vais pas. Si vous auriez quelque chose. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait du mutuel maintenant? Il a dit quoi là, au fait, là, quand il a dit le truc? Ah, c'est aussi, vrai, j'ai pas compris. Alors, non, du coup, on va mettre. Amende doublée par. Si je me suis mis devant lui, c'est parce qu'il a une. Et nous, on a qu'une. On a une ailleurs sport. Il a coupé la route parce que si. Non? Oui, ça peut pas être ça.
Et les Nuggets. Par contre, est-ce que vous auriez de la bouffe à me mettre dans la boîte à gants? Attends, je regarde ce que j'ai dedans, mais... non, boîte à gants, ça va être dur. Ouais, bah alors... C'est pour ça que je me suis mis devant lui, hein, les gars. D'accord, ok, bon, bah, à savoir. On fait rien. À savoir. Il décide de s'enfuir, on fait rien. Ouais, bah, oui, t'as tout à fait raison, à savoir. Donc, Bah, si tu peux me donner juste un petit peu de bouffe, je sais pas, un donut ou autre chose, ce serait... Non. Attends, c'était un truc à me donner? Ouais, deux secondes, je te l'envoie. Ouais, vas-y, merci. Voilà. Merci. Tu veux une bouteille d'eau aussi ou... Non, c'est bon, j'ai juste ce qu'il faut, merci à toi. Voilà. Attends, c'est vraiment lui qui s'est planté? Oui. C'est sa voiture, c'est la même blague. Numéro de plaque. Non, c'est une blague. Ah, mais ils en font rien, hein. Ah oui, on dégage. Il n'est pas vu son truc. Et il est où? Bande doublée. Sur demande de l'individu. Ah tiens, camion, il y a un camion là. Le camion là-haut. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, on fait un petit contrôle des papiers. Oh, t'as mis ce véhicule en fourrière ou? Et t'as appelé Michou là en fait? Moi non. Là je suis en train de vérifier pour avec le central au niveau de l'enregistrement. Bah c'est. Je peux appeler Michou au pire. Ouais vas-y tu peux. Oh, allez. Allô? Monsieur. Mais oh, c'est quoi ce délire? Pourquoi ça ne veut pas? Oh la fourche, t'arrêtes de faire tes conversations personnelles au travail. Merci. Ah voilà. Hé hey, Michou, tu peux venir récupérer le véhicule? Ouais là, près des silos là. Viens, vite. Allez, oh pitié. Oh merci Michou, ouais, c'est hein. Gentil. Par où est-ce que vous alliez monsieur avec le camion? Ben là je viens de vendre mon charbon et ah, bonjour, comme j'ai vu que votre bonjour monsieur. Voilà. Comme j'ai vu que votre voiture fumier, j'ai fumier pris, non, c'est pas la nôtre. Fumier? Ah c'est pas la nôtre. Où fumier? Fumier quoi. C'était une autre voiture, Ah, okay. On a appelé un dépanneur pour la dégager. Ouais oui, il y a Michou qui est venu avec. Avant qu'on vienne vous interpeller en vous priant, vous allez vers où? Alors, j'allais au marché. Et au marché, avec votre camion? Non, je m'arrête avant et après je continue à pied, vu qu'on n'a pas le droit d'aller en ville avec le camion. Au concessionnaire poids lourd là-bas, vous devriez pouvoir sortir une voiture. Je sais, mais j'en ai pas, j'ai que mon camion, donc c'est pour ça que je m'avance jusqu'au bout du port à peu près. Je le mets derrière un mur et après je continue à pied. Hein. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Sur ce, excellente journée à vous et bon courage. Merci. Bonne journée à vous. Ouais. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Vas-y, grimpe vite. Dépêche-toi. Pas le temps. Ouais, quoi encore? T'es aussi pressé. Bon, c'est bon, j'ai fait le rapport. Bien noté. Et salut Slider, bienvenue, n'hésitez pas à parler sur le chat, hein, y a pas de problème. Hein. Salut à toi Duke, salut à toi JD. Soyez tous la bienvenue. Hein. Merci à toi pour ton follow Slider, sois la bienvenue sur 14h20 TV. Oula. Bonjour. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Bonjour. Vous mettez-vous sur le trottoir, monsieur, c'est pour la sécurité. Attendez, je vais me mettre là. Tac, voilà. C'est pour un contrôle. Hein. Comment? C'est pour un contrôle, vous savez pourquoi peut-être on vous contrôle.
Non, je comprends pas. Une petite idée. Bah écoutez, regardez le véhicule, regardez le milieu dans lequel vous êtes, et puis voyez s'il y a peut-être une discorde entre les deux. Ben je comprends pas en fait. Donc, Demandez à monsieur avec la casquette qui saura sûrement où être. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon collègue en plus. Ah oui, oui, mais je te l'ai dit déjà, t'avais pas le droit le camion en ville. Faut que tu le gares comme moi derrière au port. Ah, c'est au port qu'il faut le garer, ok. Excuse-moi, non, j'avais pas compris en fait. J'avais pas compris comment il fallait le garer. Ah, bah maintenant, s'il vous plaît, monsieur. Oui, attendez, je donne ma carte. Non, je vérifie la plaque d'immatriculation. Attendez, monsieur, je me mets juste. Ah, c'est pénible. Attendez. Tac. Attendez, excusez-moi, mais j'ai un petit problème avec mon muscle. Hein. C'est bon, vous l'avez vu? Attends, je vais juste profiter pour faire. Attendez, je vais le donner à votre autre collègue parce que je vois pourquoi. Mais... Ah, monsieur. Ah, oui. Attendez, en fait, je dois vous montrer ma truc, mais ça marche pas. Oui. Ouais, le véhicule appartient à un certain Valentin Rapetou. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça mon nom. Excusez-moi, non, excusez-moi. Il faut pas dire les noms à l'oral. Dès que t'as le nom, t'attends qu'il ait donné une carte d'identité parce que ça se trouve, le mec, il va usurper le nom. Bah en fait c'est ce que j'essaye de faire en fait mais ça marche pas. Je suis désolé mais. Ah bah voilà. Non. Alors Attendez, faire ça. Tac, je vais mettre comme ça. Voilà. Tac, tac, et tac. Ouais, excusez-moi. J'avais un petit problème de muscle. D'accord, bon par contre monsieur, les camions là en ville, non, d'accord. Ok, oui, excuse-moi, j'avais pas compris en fait où est-ce qu'il faut le garer, c'est pour ça. Voilà, donc la prochaine fois vous faites comme votre collègue, vous le garez au niveau du port, c'est-à-dire là-bas. Ok. Le port d'ailleurs c'est le plus bel endroit dans une ville, enfin. C'est clair. Vous faites attention à ça, voilà, bon, pour cette fois-ci je pense qu'on va pas vous amender, hein. Mais en tout cas, quand vous y reprenez plus, et puis vous le faites là directement, vous allez le garer, puis vous revenez à pied. Hein. Ok, ok. Non, mais c'est bon, j'avais réglé mon affaire, donc je m'en vais tout de suite. Alors, écoutez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Hop là. Ouais, et c'est une affaire qui roule. Ouais, c'est noté pour le nom. Mais dans c'est les rapports, tu mets à chacun, tu mets un avertissement. À chacun. Les rapports. C'est bien. Dans le listing des rapports, tu mets un avertissement. Tu fais comme si tu mettais une amende, sauf que amende, tu mets avertissement. D'accord, ouais. Ah, parce que tu l'as pas payé, tu as pas fait payer l'amende. Ah non, on leur fait payer l'amende de suite. D'abord, c'est l'avertissement au bonhomme. Ah, d'accord. Ah, donc pour lui, tu parles là pour le mec au camion. Pour lui, et puis pour le mec qu'on a vu tout à l'heure aussi. On l'a prévenu, donc c'est un avertissement aussi. Donc tu veux faire un rapport à chaque fois, d'accord. Comme ça, si on les rechoppe, après, c'est l'amende. Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est noté. Oula. Par contre, attention Kevin, au plot, tu te mets de l'autre côté, tu mets des balises. Je vais faire des balises ici. Faites attention au... Oula. Messieurs, bonjour. Il y a la super glue, bonjour. Salut, Christophe. Kevin, si tu veux bien mettre des balises de l'autre côté. Oui, 10 secondes, 10 secondes. Il y a de la super glue en dessous, on peut plus les retirer après. Non. Oula. Donc faites attention. Et Ah mais il y a vraiment. On a pas besoin de barrière là. On a pas besoin de barrière. C'est sérieux, il y a vraiment. En plus c'est sur un pont donc oui. Il sait rien, arrête de prendre la grosse tête hein. Oh. Ah mais c'est pas ça, mais bon, c'est que tout à l'heure on a. Quoi tu dis ça rien, arrête de prendre la grosse tête. De côté c'est la fourche qui te parlait. Ah bon? C'est la fourche qui te parlait là. Ah, mais la fourche, arrête de prendre la grosse tête, hein! C'est pas la question, mais c'est que. Enfin, de toute manière. Non, j'ai dit, on n'est pas des barrières. Laissez tomber les barrières, les ponts, il aime pas les barrières. Ah, non, même quand même autrement, on a besoin de barrières. La voiture, elle est pas cassée. Bah, en fait, quand je suis arrivé sur le pont, elle a décidé de plus vouloir avancer. J'ai l'impression qu'elle est plutôt bloquée, hein! Vous êtes peut-être accroché, mais vous êtes trop basse. Alors attendez, on va tous la pousser ensemble, venez derrière. Vous avez quand même une bonne distance, tendez juste les bras, reculez un peu. Là,
est réparée, je crois que ça risque de poser un problème comme elle est réparée. Eh ben ouais, ça se peut. Ah, évidemment, on va pas pouvoir la pousser si elle est réparée. On peut appeler Momo. Ah bah ouais. T'as mis... Je vous avoue que j'ai pensé à vous parce que je connais pas du tout de dépanneur dans le coin. Normal, il y en a pas. Ah bon, bah d'accord. Ah bah ouais. Attends, on va devoir appeler Momo de la fourrière. Hein. On n'a pas trop le choix. Ouais. Ouais. Donc écoute, pourquoi elle démarre plus là ? Elle va s'appeler Sabine. Vous permettez que j'essaye voir si Ah oui, allez-y, rentrez. Ça marchera pas plus. Hein. On va essayer déjà. Et ça marche arrière, t'arrives ? Ah ouais. Il marche arrière ? Aucune des deux ne marche. Attends, je vais essayer. Aucune des deux ne marche. Non, il n'y a pas moyen. Et... J'ai fait le trajet depuis La Rochelle, tout allait bien. Et arrivé sur le pont, alors je sais pas, j'ai pas fait attention, il y a peut-être eu un bruit, mais. Et si on pichait une voiture ? Peut-être donner un petit coup avec la voiture tranquille pour éviter de tout faire péter, mais il y a moyen. Ah, puis mets pas votre voiture non plus, hein, messieurs. Bon, après, bon, ça va, hein, ça reste tout chaud, casser du plastique. Hein. Je sais pas. Mais bon, c'est quand même chelou qu'est-ce qu'elle reste bloquée comme ça, le véhicule. Bon, vas-y, appelle Momo la fourrière. Merci à toi. Ouais, appelle Michou. Hein. Mais Momo est pas là, Momo est parti en vacances. Ah mais attends, au pire des cas, on peut essayer de mettre un tout petit coup si ça peut la débloquer. Elle est non. Ça va. Appelle Michou parce que Momo est pas là, si jamais. Appelle Michou. Momo il est parti en vacances il est parti au bled en vacances. D'accord, très bien. Il allait voir sa femme au bled, Momo. Bah j'espère qu'il a meilleur temps qu'ici. Hein. Ah bah putain ouais. En ce moment je sais pas ce qui tombe mais moi on m'a vendu le voyage comme île paradisiaque, soleil et tout. Ah bah putain ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas monsieur, la pluie on en a une fois tous les 30 jours. Ah mais vous voyez, regardez, ça commence à devenir bleu de nouveau dans le ciel donc c'est que ça va être beau bientôt de nouveau. Ah ouais. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester longtemps en grisonnant comme ça. C'est vrai que c'est un peu chiant et la pluie là. Tiens. T'as appelé Momo ou pas du coup ? Ben non. Momo est pas là. Momo il est pas là. Momo est parti au bled. Il te répondra pas lui. Il faut que t'appelles Michou. Appelle Michou avec sa dépanneuse, ça. Oui, voilà. Ah bon, moi ça y est, voilà, il arrive. Il passe aussi vite qu'un éclair. Comment il fait ? Allez-y, monsieur, montez. Voilà, bon, ok. Bah, je vous remercie bien, messieurs. Ah, bah, y'a rien. La première fois qu'on me remercie de mettre un véhicule en fourrière. Bah, de toute façon, j'étais resté bloqué sur le pont. Donc. Mais c'est la première fois que ça vous arrive, là, un véhicule bloqué sur ce pont ou... Bah, pour moi, personnellement, oui. Il y a des méthodes pour éventuellement le dégager, mais c'est vraiment très très peu orthodoxe. Et ah, bah, merci. Je ne me permettrai pas, comme je ne permettrai à aucun de mes collègues de le faire. T'es le premier qui me dit ça, donc voilà. Tant que ça plaît, pour moi c'est bon. À la limite, avec le pick-up, on aurait pu mettre un petit coup avec le pare-buffle, mais au-delà, non. Non. Et non, on fait pas ça tout simplement. Non seulement, de 1, nous n'avons pas le droit, de 2, c'est pas légal, de 3, c'est dangereux, et de 4, ça va contre tout bon sens. Ah bah oui, quand même, ouais. Et de 5, c'est risque que le général nous gueule dessus parce qu'on abîme le véhicule. Bon, tu mets un petit coup de polish. Hein. Ah, mais quand même. Ça va réparer un truc plié, ouais, bien sûr. Oh, ça va pas plier. T'es pas un petit peu marseillais, toi ? T'as de l'espoir, alors, Madame Lafour, t'as de l'espoir. Eh ben. Bon, on fait quoi, nous ? Ouais, je sais pas, voilà. Mais t'extrapoles un petit peu. Je vous remercie beaucoup, messieurs, je vous dois quelque chose. Oh, ah, pas pour moi, en tout cas. 2 millions de dollars. Je vais aller faire maintenant en cash. Intraçable, évidemment. Putain, moi je me suis fait 50 000. Ce soir, 50 000. Faites ce que vous voulez. En foutant que dalle. Bonne journée. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Ouais, c'est assez calme. Hein. Tiens. Attends, on est en ville et il n'y a aucune voiture qui roule. Il est quelle heure? Il est 2h de l'après-midi. On dirait qu'il est 6h. Ouais, on dirait qu'il est 6h vu le temps, ouais. Il est bel et bien 2h de l'après-midi. 2h30 hein. Quasiment. 2h à 28 minutes. Enfin bon, après il est bientôt 18h aussi. Hein. Ah bon? Bah, Marseille, ça va vite, hein. Coup de pastis, tu passes de 14 à 18, tu sais même pas comment. Eh ben, t'es un peu alcoolique, toi, sur les bords, toi, hein? Non, je mets. Ah, mais t'aimes bien boire le pastis, je crois, hein? Ah, mais si. T'aimes bien boire le pastis, je préfère boire les Marseillais. Je préfère boire du pastis plutôt que de me torcher avec des bières, surtout quand elles sont en canette ou c'est dégueulasse. Au télétail de pastis et de bière, on s'en bat un peu les steaks, en fait. Quand t'aimes bien boire de l'eau, oui, on sait. Moi, c'est pas la bière. De la part d'un Lorrain, j'en ai rien à foutre. Toi, t'es Lorrain. Oui, je suis Lorrain, ça te pose un problème? Pardon? J'aime bien la quiche, hein. Après, je préfère la bouillabaisse. C'est différent, mais bon. Elle est très belle, la vue d'ici, n'empêche. La quiche Lorraine. C'est un bon plat. Ouais. Le bravo, la bouillabaisse, c'est bien meilleur. Ou pas. Qu'est-ce qu'il y a avec la choucroute? Je disais que la choucroute c'était bon aussi. Ah oui, oui, et c'est très bon même. La choucroute avec du vin blanc, le vin blanc d'Alsace. Ça c'est le meilleur des trucs. Préféré, c'est la fondue blanche quand même. De quoi? La fondue blanche. La fondue blanche, qu'est-ce que c'est? Un bon raciste comme Jean-Mi du 57. Et qu'est-ce donc la... La fondue blanche, c'est une fondue avec une fête avec du vin blanc. Tu prends des morceaux de viande, tu les trempes dans du vin blanc qui est en quasi... Enfin, pas à ébullition, mais qui est à peu près à la même chaleur que de l'ébullition. D'accord. Et... Alors, 200 degrés Celsius. Donc les morceaux de viande dedans pour aller quoi, une minute, et puis après tu les ressors, tu les trempes dans de la sauce. Moi, je connaissais la fondue au vin blanc. Ouais, c'est un peu... Ouais, la fondue au vin blanc avec du fromage. Avec du fromage. Et il y a du Riesling dedans et tu mélanges. Les golf, on aurait le temps de passer 4 fois avant qu'il arrive. Ouais. Putain. Ah, mais à Marseille, c'est les odeurs de poisson et tout ça qui sont bonnes. À crier du matin. Eh ben. Ça doit puer le poisson, ouais. Bah non, ça sent bon le poisson. Ah, tu vas sur le poisson à 6h30. Là, ça pue le poisson. Ah, enfin bon, après, le chou, bon, avec la choucroute, c'est bon, mais au-delà, ouais. Je trouve ça acide. Ah, ben tiens, mais c'est tout encore mieux que ça pue le poisson, sinon. Hein. Là, tu sens pas la bonne odeur de enfin, l'odeur merdique du poisson, là, dans le porc, là. Ça sent bon. Non, mais là c'est des conteneurs. Arrête, ça pue. Ouais, ça sent bon. Là, on sent quoi? De la dorade. Crypto, arrête de me troll. Fort, tu sens de la dorade et du houlin dans les endroits où il n'y a pas de poisson qui transite. T'es fort, toi. Ah bah ouais, comment si. T'es un bon, toi. Toi, je le sens, t'es un bon. Ah bah tu sens pas l'odeur du poisson, là? Marseillais, c'est comme un sien. Tu peux sentir du poisson un peu partout. Tu sais, quand il pêche dans le nez, quand il sort sa crotte de nez, c'est pareil, il pêche aussi. Une centaine de poissons aussi là-dedans. Non, après c'est d'autres sortes de poissons. Oh mon dieu, pourquoi j'ai migré sur cette île, bordel? Ah bah oui, c'est vrai. Il pleut autant qu'à Paris. Bon, enfin tu me diras qu'en Lorraine aussi il pleut beaucoup. Hein. Un peu comme à la Bretagne. En Lorraine il pleut pas, hein, il pleut pas. Le nord de Pas-de-Calais. J'ai jamais compris pourquoi les gens vont dans le nord en Pas-de-Calais. Enfin, ils vont à Calais alors qu'il n'y a pas de Calais. Tu vois, j'ai pas compris, tu vois. Arrête. Juste arrête. Ah quoi, c'est vrai, c'est le nord en Pas-de-Calais et quand ils vont là-bas, ils y vont pour aller à Calais. Mais arrête.
Là, je suis déjà pas de bonne humeur. Pourquoi qu'est-ce qui t'énerve? Allez, parce que je dois me taper un putain de Marseillais. Je déteste les Marseillais. Voilà. Ok. Je te rassure, je n'ai rien à voir avec les téléréalités. Je vois hors de ça. Pareil avec le foot. Bah attends, je crois qu'il va bientôt être plus énervé encore. Attends, je vais lui annoncer qu'il veut me ramener au QG et que je vais prendre ma fin de service. Oh, bon, moi aussi, de toute façon, je vais pas tarder. Ah non, là, tu l'as rendu heureux. Là, tu l'as rendu heureux. Là, c'est la joie suprême. Ah oui, ça se ressent dans ta voix. Ouais, mais il est content que je pars aussi, hein, tu vois. Ouais, avec un Alsacien, avec lui, il aime peut-être pas forcément. Les Alsaciens, ça va. Ah, les Alsaciens, carrément. Ah, mais quoi, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a des bretzels, hein, Sorbonne. Ouais, faut bon, après, ça dépend, mais... D'ailleurs, moi, je vais prendre l'apéro, là. Fin de service, apéro. Je suis sûr que tu ne connais même pas le langage routier des Alsaciens et des Lorrains. Oh bah non, moi, je suis Marseillais. Non, mais je parle à Kevin, pas à toi. Toi, j'ai dit, vas-y, explique-toi, là. Avec ta région de merde, là, ta région merdique reste en dehors. Explique-toi, alors. Explique-toi. À vous, les Alsaciens, vous avez tendance à appeler les Lorrains les PX. Et nous, Lorrains, on vous appelle les claclas. Vous êtes comme les oies, en fait. Comme les oies qui êtes là pour grappiller un peu de pain quand on balance du pain à l'eau. Vous êtes clac-clac-clac-clac. On vous appelle les claclas et vous, vous nous appelez les PXers. Eh ben. C'est une tradition, ça. Eh ben. Non, vous êtes des quiches, vous. Vous êtes des quiches, vous. Ah oui, ça, c'est des quiches. Hein. Pour sortir des ferrons comme ça, ils vont pas comprendre mieux. Non, merci, je t'appelle Kish alors. C'est beaucoup mieux. Sale Kish. Vous m'appelez quoi, Pascal? Moi, les Kish, on a fait un plat reconnu mondialement. Bah ouais, bah nous aussi. Avec tu sais, dans le langage des Jones, comme dans mon âge, une Kish, c'est aussi un peu du. Un mongol. Hein. Comme un. Ah, voilà. Comme ils appellent ça déjà, les bolas. C'est une tête de Kish. Après, boulot, voilà, si tu préfères. Et mec, les mecs grandissaient un peu, c'est les expressions qu'on utilisait à notre naissance en 2016. Moi, je suis pas né en 2007, je suis né en 2004. Ah, t'as quel âge? 32. Ah, moi, j'ai 25 ans, moi, hein. Quand même, tout bien. Salut, Bazoum Baba. C'est bien la première fois que je vois toi. Avec une voix aussi fluide. Tu pas compris, attends, tu peux répéter. Concrètement, je suis en train de dire que t'as oublié de muer. Ah bah non, mais en fait, je t'explique. Alors, je prends un traitement pour perdre l'accent marseillais. Et donc, du coup, ça fait des accents secondaires. Ça fait des effets secondaires. Ah bon? Attends, rappelle-moi quand j'en aurai quelque chose à foutre, s'il te plaît. Pou-pou-pou-pou. Ah, c'est quand même marrant, tout ça. C'est une bonne punchline. Et tu pourrais faire rappeur, toi. Tu sais ce qu'il y a sous une queue de cheval? Non, tu sais pas. Un trou du cul. Alors c'est dommage parce que toi ça marche pas parce que toi t'as pas de queue de cheval. Oh putain. Encore une fois, quand je suis censé me marrer. Ah bah je sais pas, mais lui il a rigolé. Hein. Oh putain, vous êtes chaud vous deux, vous êtes chaud patate, hein. Ah ouais, enfin bon, après ça, les patates, non, c'est plutôt un truc d'anglais. Je ne sais pas de soucis là-dessus. Bon, bah, moi j'essaie de faire rire, hein, mais bon. Bah montre-lui le niveau alors. Vas-y, dis, montre-lui, donne-lui le niveau. Allez, allez, le Lorrain, allez, la quiche. Allez, on lui donne. Avec allez, la petite... quiche, tu as la gueule enfarinée. Putain, mais... Tu te laisses dire des trucs comme ça là. Il est plus vieux que moi, il arrive encore à sortir des expressions de gamin, s'il te plaît. Bah oui, bah alors. Eh ben, vous êtes chaud vous deux, hein. Faut que je grandis. Ouais, moi je vais aller au dortoir. Hein. Je vais me prendre des bretzels et une bonne bière. Et aller dormir. Attends, tu permets? De quoi? Gaffe à vos oreilles, les gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va péter? Ah, je sais pas ce qu'il va faire, mais. J'ai peur. Bon, moi, j'ai dans la tente de dormir. Hein. Bonne nuit. Hein. Ça vous dit un petit entraînement au tir avant de partir? Est-ce que c'est autorisé par le général?
Attends, on va faire ça, même mieux encore. Rejoignez-moi là-devant. Son entraînement au tir, il pourra le faire tout seul. En tout cas, merci à vous. Bon. Attendez deux secondes. Tac. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était un peu what the fuck vers la fin. Là. Au début, c'était un peu mou du slip, justement, passant de parler sur le tribunal. Pour ceux qui n'aiment pas écouter des trucs comme ça, c'est clair que c'est un peu long. Après, j'espère que ça vous a plu. Les rediffs, vous pouvez les revoir. Celle de hier, celle d'avant-hier, celle de ce soir, vous pourrez aussi la revoir. Et justement, elle sera sur YouTube demain matin. Donc voilà. En tout cas, on se revoit pour ma part demain. Je remercie tous les followers de toute façon. Et je remercie tous ceux qui sont encore présents maintenant. Donc, CS Go With Off. Donc, moi, Tibu, Odin, Pimsifi, Slider, Teisho, Poto Teisho. En tout cas, et Crypto, merci à vous d'être venus sur la chaîne. N'hésitez pas à revenir demain vers les 21h30, 21h45, je pense, de nouveau. Je serai de nouveau en ligne. Dès que je rentre du boulot, je finis à 21h, donc le temps de rentrer, de manger un truc. 21h30, 21h45, après 22h grand maximum, dans ces alentours-là. Donc, je vais quitter le... Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et... sinon, je vais remettre la musique de la fin. Et... En tout cas, merci à vous tous. C'est un peu grâce à vous tous en tant que streamer, on avance. Et j'espère que le serveur vous plaît. Pour ceux qui sont dessus, j'espère qu'il vous plaît. Ouais. Et pour ceux qui voudraient venir, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Nolocha. Tout simplement. Attendez, ça bug un peu pour enlever le jeu là qui s'enlève pas. Enfin, qui prend 3 ans à s'enlever. Oh, tu t'enlèves. Eh, l'aise, je te jure, ce jeu il commence à m'énerver tout doucement. Fermez le programme, tac, voilà. Donc, voilà. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous a plu. On va mettre déjà un peu la musique. Si ça veut bien. Bonjour. Non, pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Hein. Elle est où? Elle est là. Voilà. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Je vous remercie tous et je vous dis à demain 21h30, 22h. Allez, déjà chouchou et bonne nuit à tout le monde. Allez, ciao. The girl like her.